Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vocabulaire. La dernière vidéo des 8 lettres uniques, elle est là. Et pour bien finir, je suis toujours avec Edouard et David. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Salut. Sylvain, bonsoir à tous. Vous êtes en forme pour la dernière ligne droite? Oh oui. Oh oui. Toujours. C'est ce qu'on va voir. Alors, nous utilisons toujours le dictionnaire officiel du Scrabble, l'ODS. Et nous allons terminer le fameux poitrois. Alors, nous utilisons toujours le logiciel Elimo. Vous avez un lien dans la description. Et nous allons dans Scrabble unique de 8 lettres. Et nous avons toutes les lignes remplies, sauf que là, c'est écrit qu'on a fait seulement le B en dernier, donc A et B. Et on avait fait des scores tout à fait honorables aux alentours de 99% pour ce poitrois. Et il nous reste la moitié de 1084 mots pour terminer. Donc le poitrois, c'est quoi? C'est une variété de lettres qui a 4 points, 3 points, 2 points. Ça dépend des tirages. Voilà. Et on a 542 mots à voir. C'est parti. Est-ce que on va changer cette fenêtre? Ce serait. Non, j'attends que tu te. Tu te. Ne sois pas impatient comme ça. Voilà, et eh bien en route, vous pouvez évidemment chercher chez vous en mettant la pause sur la vidéo et en enlevant la pause après. Le duo Duodénum. dénom pour Katinga. commencer. Est-ce qu'il y a un adjectif qui est relié à ça? C'est duodénal, c'est Oui. ça? Duodénal. Duodénal, oui. Ok, parfait. Caatinga. Limicol. Floreté. Verbe flotter. Oui. Nouveau Et verbe. maintenant, ah ben oui, 2020. planning. Et là, peut-être qu'on prépare à quoi, Edouard? Oui, je crois. On ne sait J'arrive plus à plus. savoir. Je crois que Ouais. non, justement. Aquaplanning, ça doit être un solène. Ah oui? On Ah sait oui, bien sûr, comme planning, c'est le planeur en fait. Donc c'est pour enregistrer, enfin pour. Ouais, bon, ouais. bref. Parce que planage et aquaplanage, c'est un solène dans les deux cas. Mais bon, allez. Décaisser. Grebon, Ah, toujours une fois de plus. Grebons! Grebon. Énorme ce mot. Je l'avais oublié dans une liste de base. Parce que j'ai cru que c'était un plural, j'avais viré. Mais non, toujours un S. C'est un vrai invariable. Fouleuse. Inhérent. Thionate. Vitellus. On avait vu Vitellin. Flirteur. Filtre. Non, non, Filtreur c'est peut-être? Ouais, filtreur. filtreur sans doute. Orthose. Tous, ouais. Ptomaine. À donner, ah ouais, Soumons, Sérigène, Europium, Bolingue. C'est Bolingue? ouais, je pense, ouais, Ouais. débrasé, non, t'as un doute, t'aimais pas? Ça me fait bizarre. Ouais. Sulfocell. Bah non. C'est pas frisoté quand même. C'est frisoté, non? Ouais, si, en fait. Pourquoi ça serait? Ouais. Bon, ça a tellement une tête de verbe intransitif. Baudrier? Non, c'est baudrier. Ouais. Non, c'est transitif, un hein, frisoté. Ok. Je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre, cela dit. Ouais. C'est quoi là? J'avais un bourride. Ah ouais. Et non pas la bordurie qui est le pays Cassage, de la Cile David dans les non, aventures de Tintin. c'est le cassage? Cagasse ou non, D'ailleurs. Cagasse ou est-ce Cagasse ou... Non, ça doit être Cassage, Cassage. ça sonne pas mal. Ouais. Drummer, Drummer. Drummer, peut-être, hein, vu comme c'est écrit. logeable, Bien.
Sartois. Ouais. Et Philonien. Salut Nicolas Beaufort. Hop. Ah ouais, je me disais qu'il y avait un truc chelou. Ah, mais oui, enfin. C'est Bollinche, non? Ah, Bollinche. Oui, c'est Bollinche, le ouais. mot. J'ai pas non, réussi à retrouver. Ah, c'est vrai, si tu m'avais dit Bollin, j'aurais pu dire. Ouais. Dommage. Un homme fait-il plus biongulé. Oh. Alors, Grebons, Grabons. Ouais, c'est un nom pluriel, toujours en pluriel. Ce qui reste attaché au fond d'une casserole. Est-ce que vous voyez? Oui, alors on va essayer de faire attention avec la fenêtre, évidemment. Duo des noms en Caatinga, une formation végétale du nord-est du Brésil. Alors attention, on va tenter une manipulation. On va essayer de vous montrer. Ah, voilà. Ça, peut-être. Ah, ok, ouais. Ça n'a pas marché. On essaiera. Limicole, ouais. Donc, c'est quoi qui vit dans la vase? Ah ouais, d'accord. Dans le limon. Ah, dans le limon, ouais, ok. Fleureté intransitif. Ouais. Comté fleurette, ok. Emboudé. Nouveau verbe 2020. Avancer, mettre en marche en Suisse. Alors, le planning qui, effectivement... Alors... Et voilà, c'est le plan de travail. Il n'y a pas à quoi. Il n'y a non, pas y a à rétro quoi. Rétro-planning et média-planning. Mais il y a média et rétro. Mais alors, si on enlève un N... Ouais, mais c'est logique. On a l'aqua-planning, ouais. Voilà. Ok, donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais... Là, tu as mis tout en anglais, je pense. Non ah non, c'est moi, c'est bon. Espagnol. Je crois que tu avais changé la langue. En fait. Alors, j'ai pas mis du tout de trucs sur planning, donc je vais le faire. Oula. Donc là, on est dans du 3. Hop. Donc là, il y a média. Média. Et rétro. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que j'avais mis quelque chose pour l'autre planning? Il y a quoi, c'est tout, je pense. Ah, je l'avais mis pour planage, parce qu'il y a aquaplanage. Ah oui, j'avais pas mis pour l'autre. Alors, ok. Moi, je vais le mettre là, comme ça. Ils seront ensemble. Hop. Donc, c'est aqua. Voilà, comme ça, tout est clair pour la prochaine fois pour le fichier de révision. Poliment invariable, cela va de soi, le verbe décaisser. Rebonce fouleur fouleuse, vitellus vitellin vitelline, filtreur filtreuse, ptomaine pantomine, c'est joli, et potomanie, la fameuse. Ah oui. Cancérigène, devant cérigène, ça se tient. Sérifère, c'est pareil que cérigène, ça veut dire qui produit de la cire. Ok. Europium, Soumon, Sodès 7, c'est les festivités préparatoires. Du carnaval en Belgique. Ptomaine, la substance toxique orthose. Du feldspath potassique, alors on peut peut-être le tenter là. Donc quoi, le feldspath potassique? Ouais. Ah non, je sais pas. Alors on va essayer là-bas. Ah ouais, mais c'est plus des choses. Ben ouais, c'est pas. Des fois ça doit être bien, mais des fois moins. Alors là, on a des trucs corrects qui sont. Orthose, si tout va bien, il s'agit d'orthose. C'est vrai que des fois c'est raté, hein, mais c'est dans l'ensemble ça fonctionne. Alors, débraser c'est un verbe, biongulé c'est un adjectif, ouais, le fameux mammifère à sabots fourchus. Ah, d'accord. Sulfocel, combinaison de deux sulfures. Frisoté donc qui est transitif. Avec un ou deux T, bourride, sorte de bouillabaisse à l'ail. Alors, est-ce qu'on a ça? Oh ouais. On a le casse. Alors cassage, concassage, drummer, drummer. Bon, je sais pas. Ah, tu peux lancer drummer comme ça et drummer à la française. Ouais. Oui. Logeable. Sartois, sartoise. Ah ouais, là, il y a une petite coquille. Pays de la Sarthe. Et trahison. Philonien, qui contient des filons. En minéralogie. Ok, d'accord.
C'est parti. 242 mots. Et l'aspartame. Aspartame. Et une vérification. Et on prépare ouais. le... Bon, ah on oui, fait ça le... à chaque fois, ouais, je pense. Hein. Le ventre. Ouais. Enfiédé. Acromial. Il y a acromion, acromial, oui. Ouais, aliote. Une région dans une... Une partie de l'épaule, l'acromion. Ta velure. Mmh. Anglie, Anglie, non. Non. C'est pas Algis. Galicien, peut-être. Oui. Galicien, oui. Ok. Néopromu. Néopromu, oui. Ciselage. Macanet. Ah ouais. C'est de Macao? Je pense. Ludicium, ammonium. Débilité. Livonien. C'est un verbe en fait, ça. Ah oui, c'est vrai. Oui. Venteux, venteuse. Mmh. Anavenin. Hurlante. Mapoutet. Mapoutet. C'est vrai qu'il faut juste inverser deux lettres. Ça ou ça Souffreur, à mon avis. Plutôt ça, ouais. Souffreur, ouais. Ouais. Glucine. Non. Hein. Leucine. On met pas géniculé en génic... adjectif. Oui. Géniculé, ouais. Athéro. Là qu'on est joué hier. Holosté, on prépare le N. Adjectif. Ah oui, holosté. Hein. Ouais, ouais. Lignard. Un jungler. C'est lignard plus G. G, ouais. Jungler, alors je me souviens jamais s'il y a jungler, évidemment. Moi je dirais que non. Mais j'ai je dirais ça. Que non, mais. S'il y a jungler et jungay. Et il y en a peut-être un ou deux qui prennent le féminin, mais je sais pas lesquels. C'est quoi? C'est. Kianaméen, Macanéen, Macanéen, c'est ça. Pas confondre avec Macané. Rétiveté. Ah oui, on avait vu rétivité dans ouais, la précédente vidéo. Sauvette. Invariable, peut-être bien. Et fortiori. Sauf s'il si est devenu. Ah ouais, ça va. Il y a encore des invariables dans ce dictionnaire. Sauvette et fortiori. Ok, très bien, bravo. On s'est repris avec ce 30 sur 30. Donc, aspartame, aspartame, levant, levant, acromial, acromial, acromion, aliote, plus Q, alétique. De la Galice, ou de la Galicie d'ailleurs. Ok, néopromus, un adjectif, ciselage, ciselure, plus M, ségésimal. Ah ouais. Bonne chance pour le former quand même. Et éclissage. C'est par rapport à la terre ou quelque chose comme ça, non? Ségésimal? Ouais, non? Voilà. Relatif à un système physique qui utilise le centimètre, le gramme et la seconde. CGS. CGS. Ah, ah bah oui, c'est un. D'accord. Parce que vous avez. Ouais. C'est bon. Alors, on regarde toujours. Ah, il y a Maganet. Waouh. Macanéen de Macao en chinois. Il y a Macanet, Macanéen, Maganet. Il y en a trois. De Livonie en mer Baltique, Livonien. Ouais, enfin, maganer, c'est un cousin, c'est peut-être juste le verbe maganer. Oui, c'est cousin. Ah oh, oui, oui, oui. Pardon. Violine plus N, c'est Livonien. Venteux, venteuse, effectivement, hurlant, hurlante. Maputet de Maputo au Mozambique. Puis j'ai patagé au ouais. Souffreur, souffreuse, ok, donc. Ouvrier viticole chargé du soufrage ou sulfatage. Géniculé. En forme de coude. Atero, matero. Cousin. Holostéen, c'est un poisson. Holosté, c'est une plante herbacée qu'on va tenter d'illustrer. Alors. Oh, mais il n'y a pas de quick là. J'ai pas de chance quand même. Ah non. Je ne connais pas apparemment. Ah, peut-être. Moi, je teste en même temps parce que Bourride, par exemple, il l'avait quoi. Tu vois, il l'avait. Bon, je sais pas. Alors, Holosté. Hop. Voilà, une petite marguerite. Quelque sorte.
Vous moquez pas de moi, les botanistes, merci. Estivant, estivante, jinglard, pas de féminin. Ah, la poisse! Il y a le jinglet et jinguet, jinguette. En fait, il n'y a que jinguet qui prend le féminin. Ouais. Et bonne chance pour retenir lequel c'est. Dans le doute, mettez peu de féminin. Donc, c'est le vin qui est mauvais, qui est un peu insipide. Ouais. Rejinglard? C'est encore du vin aigrelet? Oh là. C'est fou ça quand même. On sait déjà bien qui est Jinglard. Faut peut-être pas trop exagérer. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. Rejinglard. Macanéen. Ok. Danubien. Bon, pour l'instant, ça se tient. Rétivité, rétiveté, caractère d'une monture, d'une personne rétive. Ok. Fortiori. Oh là, j'ai jamais vu une page aussi vide. Je vous la montre, quoi. Pouah, bah, tirage, il amène pas grand-chose, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose en moins, ni en plus, ni en rallonge, ni en rien. Ni en anagramme, rien du tout. Des effets forts, même fort, les fort, même les mots à l'intérieur, quoi, il y en a que 5, quoi. Ah ouais, c'est la dèche. Fortiori, c'est très stérile. Bon bah voilà, on est pas mal. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait pu illustrer? Aliot, spécialiste de la pêche en mer. Grippette, un enfant coléreux au Québec. Et Pontesse Grimpette. Ta velure. Aliot, on a montré, ouais. Acromial. Qui appartient à l'acromion, oui. Donc est-ce que l'acromion, c'est ce que tu disais, Edouard? Oui, une partie de l'épaule. Apophis de l'hémoplate, ok. J'ai un problème à cet endroit-là. Ah. Un avenin, peut-être. C'est quoi un avenin? Vaccin contre le venin. Atoro. Ah oui, boulette de viande rôtie. Bon, ça fait penser aux attelles, alors. Morceau de viande rôti. Bon bah voilà, c'est parti. Pogotan. Neuven. Urocordé. Avec ou sans H. Plantard. Réimposé. Une histoire de foin à la fenaison. Flirteur. Bien joué. Merci. On l'a déjà eu. Ah non, Véran. Ah oui, c'est ça. Oh. À l'envers. Herseuse. Corridité. Carminé. Ouais. Code d'étien. Non, ça va pas. Bon bah j'ai pas d'idée. Côté. Ça y est, j'ai une idée. 17 tonnes, joli. Troufillon. Je t'en prie. Fusilier. C'est bien. Grince. Écoumène. Qui a une jolie orthographe en 9 lettres. Avec L-I-T. Ah ouais. Ah le O. Écoumène. Au début du mot? Ouais, au, ouais. Deux, au début du mot. Ça veut dire qu'on peut mettre un O devant? Seulement si tu mets un K, je crois. Ah, ah. Croûtage. Arracé. Ah ouais. Garcette. Une de mouche. Slavis. On salue Eric. Igo. Révulsé. Et non, pas répulsé. Astéen. Non, ah, anthèse, oui, c'est ça. Ah bon? Quoi? Ouais, c'est anthèse. Hein. Ouais. Moi, je vois anthèse avec un E, je savais pas qu'il y avait les deux. Mais en fait, j'ai peut-être su. Ouais. Troupage. Troupage? Non, c'est pas ça. Bon, j'aime pas, mais. Mais poutrage. Ça me dit quelque chose. Poutrage. Outrage, oui, ça me dit encore plus quelque chose.
Après, il y a Tubipor Bipout, mais je veux pas le rapport. Ça doit être poutrage, en fait. Ouais, c'est poutrage. Ils ont un truc d'architecture, quoi. Je sais pas. Ouais, je dirais ça. Gibble. Releveur. De compteur, par exemple. Empuanti. Et ribosome. Pas mal. Bravo. Bonne série. Urocordé. ODS8. Et il y a cordé aussi. Il y a corde aussi. Mais vous le savez. Plantard, plançon. Pas de féminin. Oula. Branche d'osier ou de saule. Ah ouais. Le piège. Je pense que ça renvoie à des plantardes. En tournoi. Bah, ça pourrait, on pourrait donner une définition là-dessus. Ouais. Un point pour Edouard à la fenaison, la récolte des foins. Mais il y a la venaison qui est de la chair de gros gibier et la fanaison qui est l'amollissement des plantes par manque d'eau que l'on avait déjà vu. C'est pas pour ça qu'on s'en rappelle. Réimposé, flirteur, filtreur, vérane, fibre de verre discontinue. Herseur, herseuse. Fusilier, fusilière. Je me serais demandé si c'est une féminin. Hein. C'est pas un truc vieux, ça, fusilier. Peut-être pas si vieux, peut-être. Grinçant, grinçante. Ah ouais. Ah non, on peut mettre le haut aussi. Dans écoumène. On peut mettre le haut devant. Et ça, c'est pas mal. Oui, oui. La grosse rallonge, quand même. Et on peut mettre aussi avec un K, vous le voyez. Avec K, j'étais sûr. Avec. Ouais, ok, super. Mais par contre, on peut pas jouer Ekoumen avec un K, c'est ça. Ouais, non, là, on va se calmer. Alors, c'est écrit ou pas? Ouais. Ok, écroutage, croutage, écroutage. Bon, faut être sûr. Alors, c'est Garcette plus H chargette plus O cagerotte. Et curetage. Plus U curetage, ouais. Ah oui, t'en as d'autres en plus. En cagoulé, en clouage. Non, ça, c'est enculage plus O. En cagoulé, en clouage. Carniole. Très joli. Carniole. Très joli, c'est un point de vue. Hein. Dolomie impure. Tu connais les dolomies impures? Dolomie. Dolomie, moi, je sais pas, la définition de dolomie, quoi. Une roche sédimentaire. D'accord. Bon, alors je veux voir si c'est beau ou pas. Ouais, bon, peut-être c'est pas si beau, ok. Si en plus cela c'est des purs. Bien. Où en sommes-nous? À slavisme pan slaviste et slavisme pan slavisme. Ah oui. Patrigo, le verbe patrigoter qui est intransitif. Ah, tu peux prendre cher dans une partie. Hein. Tu peux rater patrigo, te prendre la rallonge patrigoter que tu ne connais pas, puis tenter la transitivité que tu ne connais pas. Et ouais, là, c'est vrai que c'est chaud. À chaque fois, tu notes dans la colonne négative. Je pense qu'il dira patrigote, donc comme ça tu sais rien, quoi. J'espère. Poutraison. Ah ouais, poutrage égale poutraison. Ah oui. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'écrire? Et de la poutargue. La poutargue, c'est sympa. C'est sympa, tout à fait. Poutargue. Guibole égale guibole avec un seul L. Releveur, releveuse. Et devant éleveur, hein, bon, ça, c'est important. C'était tombé à Championnat du Monde 2009, je pense. Non, 2011. Ah éleveur. Bon et, c'était en O2. Éleveur en O2. Bon, fallait être sûr. Je me souviens plus du tout. Ribosome, polyribosome. Waouh. Ah oui. Polyribosome. Ouais. Ok, donc anthèse, épanouissement de la fleur. Cousin, anthèse, zone d'insertion des tendons et des ligaments sur un os. Qui est fort différent. Ouais, mais c'est vrai que c'est des cousins, ça vaut le coup de le noter. Hop. Donc poutrage, poutraison, poutargue, ça on n'oubliera pas. Et puis, non. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Patrigo, c'est de la boue en Suisse. Et patrigoté, c'est patauger dans la boue. Et c'est pour ça que c'est intransitif. Hein. D'accord. Bon, ben, velléité plus R, véritille. C'est du corail. J'ai pas mis ce petit 9 lettres.
Donc, est-ce qu'on peut regarder? On a tout vu? On est plutôt efficace? Je pense qu'on a tout vu, oui. 17 tonnes, c'est pas donné. Ça, je rajoute au fichier de révision. Non, c'est pas donné. Bon, il y a des appuis sympas que vous pourrez découvrir par vous-même. Le verbe caraminer timbre avec du carmin. C'est parti? Parfait. Dépasser. Débouler. Taïti. Tia Ah ouais. Tahitien. Ouais. Entubage. Proroger. Oui. Russifié. Ouais. Tu peux penser à pro-russe. Bergenia. Bien joué. Sucrage. Oh, elle est là, mon Gracioso. ami. Un bras long sur faussée. Vous souhaitez. Redéposer. Oui. Farotant. Nouveau verbe. Anti-vote. Du coup, italien. On t'a bien. Ouais. Frustule. Canetage. Ça me parle, mais. En gêne, je pense, non? Catagène. Catagène, oui. Bien vu. Cugnant. Cugnant. Accumulé. Acuminé. Il y a des trucs devant ou pas? Biacuminé? Je crois que j'ai proposé ça dans le quand on a eu acuminé en sept lettres et que c'était C'était pas faux. bon. C'est ça. Bon, le moi je dis biacuminé. Voletier. Non, violeté, pardon. Lampsan. Non. Waouh. Au des 6 ça. Camélia. Camélia. Hein, le fameux tarifite là, qu'on s'en était plus On a sûr. eu l'autre, on l'a eu Ouais, dans ouais, la ouais, ouais. précédente. Et c'était quoi? Itératif. Ah ouais, joli. Avalante. C'était quoi la conjugaison fitterait? Oui. Ronflant. Ronflant. Adjectif. Comme un titre ronflant. Venturipucelle. Virulent. Et on prépare le A. Ouais. Courtage. Cèdrerie. Cédrière plutôt. Oh Une là là, cèdrerie. qu'est-ce qu'on en sait? Cèdrière? Cèdrerie? Cédrière, c'est là où il y a des cèdres, mais ça, ouais. Ouais, allez, cèdrière. Une cèdre, Vanillé. je pense pas qu'on fabrique des cèdres. Ouais, on les fabrique pas. Ouais. Non, c'est vrai. Dégorge. Dégorgé. C'est pas cèdreraie, quoi. Qui existe peut-être d'ailleurs. Et. Ou pas. Et. Et frisante, non. Bah, ouais. Ouais, je dirais ça. Ah, tu mets des féminins comme ça dans les questionnaires? Eh ouais, je suis vicieux! Ouais, il y en a. Il y en Non, c'est frisante, je pense. Ouais. a. Ouais, bravo. C'est bien. Oui. Une faute en quatre séries, c'est très bien. Tahitien de Tahiti, pour l'instant, ça se tient. En même temps, c'était bien gulé la faute, alors de là à dire que c'était bien. Bah, c'était nul alors. Ouais. Gracioso, un bouffon. Donc, comme nous, donc variable. Comme... Et je T'es vais gracioso, hein. reparler de Maurice Ravel parce que Ah, ça il y a faisait une pièce longtemps. de Maurice Ravel qui s'appelle Alborada del Gracioso et c'est l'aubade pour le fou, pour le bouffon. Ah. Alors, D'accord. alors, je vous mets quand même les définitions. Donc, gracioso, bon, bah, c'est un bouffon. Et grazioso, c'est avec grâce. Voilà. Ota vient d'Ottawa au Canada. Motivante, pivotante. Frustule plus un sulfateur. Catagène, catagenèse. Ouais, ça d'accord. Canetage Ça avec un N, d'accord, deux N. d'accord. Ah, mais je l'ai mis là. Ah, je l'ai mis en double. Bon, ben, on va peut-être. Enlever un. Ça fait un peu double. Canetage, canetage, décantage. Ah, parce que j'ai mis tous les genèses en à la suite, d'accord. Oh là là, ça me fend le cœur de l'enlever de là. Bon, bah, je Bah, le ou laisse. change-le, quoi. Bon, allez, je le laisse. Fausseté, ouais. Faut la fausseté. Redépose farotant. Octavien, Frustule. Biacuminé, ouais!
Violeté, ouais. Violette, je violette. Mais alors, c'est c'était autre chose. Ouais. C'est à propos d'autre chose que j'ai ouais. proposé un truc beau dernièrement. Ouais. Camélia, Camélia avec un ou deux L. Itératif, réitératif et allitératif. Je rajoute au fichier. Allitération, oui. Allitération, oui. Réitération, cela dit. Faut y penser. Quoi. Avalant, avalant, ronflant, ronflante, avirulant, avirulante. Cédrière égale cédrière. Ah, c'est cédrière le mot. Ah, cédrière, oui. Ok, cédrière. Hein. Et le cousin cédrière. Vanillé, qu'on peut mettre avec un S maintenant. C'est la nouvelle, une nouvelle graphie de vanillé. Voilà, ah, c'est ça. Vanillé aussi. Of course, dégorgé. Frisant, frisante, la lumière frisante. Et défrisant, c'est pour les cheveux, voilà. Ah, bah ouais. Défrisant, défrisante. Alors, qu'est-ce qu'on peut illustrer ? Peut-être une cédrière ? Bon, non, tu vas pas. Moi, je sais pas. Ouais, il faut tenter, là. Hein. Oui, 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 tout à fait. Ça évoque... Oh, des arbres ! Ben, oui. Non, mais le cèdre, ça évoque le Liban, qui a eu une petite catastrophe récemment. Il y a des gens qui font du Scrabble en français au Liban. Ouais, tout à fait. Oui, il y a une communauté. C'est un des endroits, je crois, où il y a eu d'ailleurs les premiers championnats de classique, les premiers championnats de classique dans les années 60. Ah bon ? Oui, il me semble. Alors, lampe San, plante herbacée, à quoi ça ressemble une lampe San ? La Lapsana communis. Voilà. Multisoc, c'est sympa. Il y a plusieurs socs. Il y a aussi bisoc, trisoc. Entubage. Bergenia, ça serait une plante, hein, Bergenia ? Oui. Plante vivace de Sibérie. Hop. Plante violette. Sucrage, ok. Gracioso, frustule, une enveloppe siliceuse de certaines algues. Catagène, se dit de la phase de régression d'un tissu, et donc la catagenèse. Okay. Acuminé, dont l'extrémité se termine en pointe, biacuminé, qui se termine par deux pointes. C'est ça la subtilité. Ben voilà, 152 mots au programme. Très bien. Temporal. Comtesse. Ouais. Jameuse. Autorire. Autorire. Ouais. Uniovulé. Flâneur. Uronien. Sambou... Sumbala. Sumbala, voilà. Sum. C'est de la Navarre, j'imagine. Sûrement. Vétéran. Contrairement au Navarre, un d'agneau. CPL. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Exact. Oulot. En non. Engeance. Oui. Engeance. Ah ouais, c'est pas facile. Ça. Ouais, ou on dit engeance. Oui, je pense qu'on dit engeance. Cette engeance, c'est sans. Ah non, c'est cet âge et sans pitié. Alors, Sporidie. Sporidie, ouais. Croutage. Encore. C'est la troisième. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est bizarre parce que. Ah lui, il est en. Lui, on me l'avait signalé, ouais. Il y a deux doubles, je crois, dans cette série, donc ça s'en éteint. Ok. Tavillon. Doubeuse. Vous allez. Les vlos. Oh, purée. Gélatio. Ouais. Valeuse. Ouais.
Hopsoban. Histrion. Et histrionique. Crossman. On avait vu Crossman. Un foutu. Éditrice, ouais, c'est ça. Euploïde. Et Euploïdie. Euploïdie. Toussiné. Mm-hmm. Ouais. Wow. Ça a l'air tendu. C'est pas tremplin. Non. Templier. Plié, ouais. Ah ouais, c'est dur. Ça, c'est... Virilité. Ouais. Pas jeté. Bravo. Joli templier. Bonne série. Comtesse, vicomtesse, gémeur, gémeuse, une ovulée, adjectif, flâneur, flâneuse, navarin, navarine, de Navarre, comme navarais, navaraise, mais navarin, nirvana, vétéran, pucée, vétérance, recevante. Engeance, oui, vengeance et boum. Ah oui. Oh. Catégorie des gens méprisables. La vengeance est parfois terrible. Ouais, bah là, ça fait mal, je pense. Wow, en fait, beau, t'es ça. Tellement, t'es tellement pas content du mot vengeance, là, tu ne sais pas trop. Il est bizarre et tout. Tu oublies de préparer le V. Ah, clairement. Ouais, et là, microsporidie. Wow. Alors, sporidie, le spore de certains champignons et donc microsporidie. Écroutage qu'on a déjà vu, tavillon, pavillon, tatillon, tavaillon. Ah, c'est tavaillon. Tavaillon. Latte de bois. Utilisé dans la couverture du toit. Ok. Dober, dobeuse, fellatio, on prépare le N. Latifolier. Oui, le fellatio plus si. Latifolier. Bim. Qui a de larges feuilles. Valeuse. Ah oui, il n'y a pas valeur, mais c'est valeuse. Petite vallée. Histrionique, mais également histrionisme. Wow. Éditrice, co-éditrice, créditrice, expéditrice, accréditrice. Pardon, Edouard. Un histrion, je crois que c'est quelqu'un qui va te préparer un repas. Ah, encore un bouffon. Il y a plein de bouffons par là. D'accord. Il y a nous trois, plus encore plein d'autres. Avec quoi est-ce que je confonds? Oh. Aneuploïde. Waouh, c'est bien beau de dire oploïdie, mais aneuploïde, c'est beau. Et aneuploïdie pendant qu'on y est, comme ça. Ça. Alors, comment je vais le noter? Ah. Je tente un truc. Avec des codes que je vais vous noter à l'écran. Hop là, comme ça. Je pense que ça fonctionne. Donc, templier, templière, tiens. Et pajoter, verbe pajoter, se mettre au lit. Et un pajot, c'est un lit. Virilité, il n'y a rien devant. Un foutu adjectif. Bon. Histrion, Hopsoman, Hopsomanie. Les vuloses, c'est une maladie, c'est bon, non ? Hopsoman, les vuloses, c'est du fructose. Ah non, c'est pas du tout une maladie. Ah, c'est encore ose la définition. Ouais. Mince. Je vais rajouter Hopsomanie. C'est fait. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Trupéole. Petite trupe. Allez. Je tente. Voilà. Bon. Bah là, on a été gâtés pour les illustrations pour l'instant. Ouais, bon. C'est pas la folie, ouais. Tsumbala, condiment tiré des fruits du néré en Afrique. À quoi ça ressemble? Ok. Riz au Tsumbala.
C'est bizarre comme condiment quand même. C'est ouais, quand même... c'est étonnant. Ouais. Ben voilà, 122 mots. En route. Non, Atheria, le reptile d'Océanie. Ah, on a failli rater. Ah oui, hein. Pour une fois qu'on a un petit reptile là. Quel reptile? Oh, et puis pas n'importe lequel. Il est stylé. C'est vrai. Nous avons un sphénodon à côté. Je sais pas si le mot est valable au Scrabble. Sphénodon, oui. Hein. Non? Ouais. Bah oui. Ah, c'est écrit entre parenthèses Atheria, c'est bon ça. Voilà. Et bien, parfait. C'est parti. C'est quoi Massy Côté? Berdacé, Bardacé. Apologie. Faire l'apologie du Scrabble. Athéna. Des suites? Oui. Incoterme. Le classique. Intercom, incoterme. Indirect. Indirect. Le mini-trip avec 3i. 3i, ça Scrabble. Moulable. Démoulable, j'imagine. Sinon, c'est un scandale. Oui. Hein. Ombrerie, je crois. Hein. Ou bromerie. Ah ouais, non, ouais. Rombière. Rombière, oh là 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 là. Je confonds avec ombrien, ombrine qui. Ah ouais, qui c'est ça. La gamme simple. Ouais. Attends. Polonium. Gerbeuse. Léopardé. Et tripage. Tripage. Léopardé adjectif. Blastème. Momentum. Ah mince. Non, non, non. Momentum. Ouais. Non, c'est irréfuté. Oh. Paladine. Bituminé. Et non pas mini tube. Glaçant. Oui. Vénitien. Ouais. Lacéré. Ah tiens. Thriller. Ambleuse. Le cheval qui va à l'amble. Ouais. Ossifié. Spumeuse. Argilacée. Ah, ça c'est atérine. En poisson, je crois. Comatule. Vénusien. Vénusien, ouais. Bravo, bonne série. Massico, Massicoté. Machine à rogner le papier. Oui. Ok. Moulable, modulable. Genre, il n'y a pas des moulables. Scandale. Voilà, c'est tout. Scandale. Il n'y a que moulable. J'arrête le Scrabble, c'est tout. Léopard d'objectif. Il n'y a que moulable. Wow. Ouais. Il n'y a rien devant. Bon, léopardé dans la peau est tacheté, ça se tient. Étripage, cousin, stripage, qu'on avait vu. Irréfuté, adjectif, baladin, baladine, glaçant, glaçante, vénitien, vénitienne de Venise, vicentine, invertine. Oh my word. Inventive, ouais, d'accord. Invertine égale invertase. Enzyme qui se transforme. Qui transforme le saccharose en glucose et en fructose. Encore le fructose, il est partout. C'est sa fête aujourd'hui. Allez, on va pas souvent voir les 9 lettres d'Ilette, mais là, on va tenter un petit inventory pour voir s'il y a des appuis sympas. Du style victorienne ou réinvention. Et voilà. C'était pour le plaisir. Thriller, on peut mettre un U maintenant. Amble, cheval qui va à l'amble, mais blâmage. Spumeuse, et argilacée. Rempli d'écume, spumeuse, argilacée, de nature de l'argile, jusque-là, tout est logique. Ah, c'est peut-être des suites, thriller. Ouais, peut-être, ouais. Ossifié, il n'y a rien devant. Ok. Bon. Donc, Atherine, il s'agit effectivement d'un poisson osseux, et on peut transformer en quatrinette. Ah, le fameux poisson osseux. Ouais. Pas c'est le seul, effectivement hein. ODS8, thriller UR. Oui. D'accord, merci. Alors, Atherine presbytère. Oula. Voilà.
Bon, comatule. Échinoderme qui, à l'âge adulte, se libère du fond de la mer. Ah, ça me rappelle une définition. C'est scotché au fond de la mer, là. Ouais, c'était. C'était quoi? Alors là. Bituminé, c'est un verbe. Glaçant, glaçante. Baladin, baladine, un comédien ambulant. Donc, irréfuté, bon, ben, qui n'est pas réfuté. Momentum, c'est au D7. Waouh. Blastème au D8, c'est certains animaux. Amas de cellules assurant la régénération d'un membre. Ah, bah, c'est pratique, ça. Et tripage, tripage, germeuse, polonium, sur temps. Temps de travail fourni en supplément des heures normales. Ah, c'est les heures supplémentaires, le surtemps au Québec. Rombière, attention, il n'y a pas de masculin. C'est le rare, mini-trip. Ça existe. Ouais. Voyage de courte durée. Un mini-trip. Non pas un mini-tube. Un direct, ok. Et un co-terme. Commerce international, obligation, responsabilité. Ok, très intéressant. Décennat, mandat de 10 ans. Apologie, bardassé. C'est bousculé, secoué. Pareil que Berdassé. En route. Colonnage. T'as vérifié, au fait? Oui. Cestode, ouais. Tout le monde est d'accord que c'est pas Biglante? Non. Parfait. J'ai rien à dire. Ce serait donc vraiment Biglante? Non. Je vois rien. Mais je vois rien, donc. C'est ça le problème. Rembruni. Grommelé. Mutroné. Plus S cornemuse. Tangible. Oh ouais. Bravo. Il est dur. Hein. Il a tenu bon. Ouais. Et il a la persévérance, cet homme. Lucanide. Ou lucanidé, peut-être. Strict. Ouais, peut-être lucanidé. Roger. Biongulé, je crois. Oh, bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Lénifié plus téphélinité. Ah. Oui. Bougeoir. Palomon. Non. Monoplan. Empesté. Faut y croire. Ouais, faut y croire. Hein. Éversion. Corégone. Ouais. Ararien. Pareil que Araré. L'inverse. Actinien. Paludine. Acmiste. Calopé pergola. Patelage. Ouais. Dessin trait, d'accord. J'imagine. Oui. Et je pense, oui. Ombrette. Rousseau. Celtisme. Riflette. Très bonne série, bravo, 2 minutes 10. Colonnage plus M, méga colon. Waouh. Cestode, custode, mucroné, adjectif, galoubet, bouletage, foulant, foulante, lucanidé de type lucane, en vérifie. Oui. Plus que déclinqua. Du verbe déclinquer, dégarnir un bateau de son bordage. Déclinqua. Waouh. Eh, verbe de 10 lettres. On les fera un jour. District. Alors lui, ouais. Il est pauvre, il n'y a rien, il se passe rien. Rien à dire. Biongulé, monoplan, biplan, triplan, hyperplan, version, réversion, antéversion. Antéversion plus dur quand même. Version, éversion, réversion, antéversion, oui, c'est chaud. Ouais. Corégone, plus un nécrologe, plus U, écourgeon, très joli. Nécrologe. Alors, qu'est-ce qu'un corégone? Pour commencer, c'est un poisson des lacs. Alors, on y va pour un corégone. De quoi a-t-il l'air, ce pauvre diable? Comment pêcher le corégone au printemps? Il a plutôt l'air d'un poisson, quand même. Ouais. Il a l'air bien poissonneux. Et alors, il peut donner petit nécrologe, une liste de morts, comme une nécrologie en fait, ou un nécrologue. C'est bizarre. Engloméré, de dire, ouais. Sympa. Ouais. Et écourgeon, qui est pareil que escourgeon, c'est de l'orge. C'est une variété d'orge. Waouh. Sympa. Araréen, arrêt de Harare au Zimbabwe.
On l'avait, Athénien, Athénien. Panathénien. Haïtienne, Tanétien. 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 Étage du Paléocène. Ah, je me disais, on n'a pas encore vu de géologie, c'est suspect. Ouais. Par contre, le petit plus G là, étangien, calme un peu. Bon, Tanétien, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Ah, comme de par hasard, c'est de la géologie. Étangien également. La géologie partout. Acméiste, acméisme, pergola, ombrette, ambrette. C'est le cousin. Tremblote, ouais. Ouais, trembloté en fait, c'est la nouvelle. Ok, tangible. Très joli. Et intangible, on suppose. Ouais. Et tangiblement d'ailleurs. Voilà. Bon. Je vais le mettre vite fait. Voilà. Je suppose que tremblote, c'est un T ou deux T, non ? Ça paraît logique. Ouais. Parce qu'il y a la tremblote, pas du tout. Mais il y a non, tremblote. C'est pas comme la parlotte. Non, non. La poisse. Oh. Le piège. Bah ouais, avec tout ce qui est rentré. Ouais, ben non, ben non. Ils ont enlevé les T, mais ils n'ont pas rajouté les T. Ah, si, si, comme trompeté ou. Y a... Tu veux dire qu'ils auraient pu harmoniser un peu, peut-être, dans les deux sens. Trompeté, ils ont mis deux T, en fait, maintenant. Allez, un galoubet, c'est une petite flûte, à ce qui paraît. Hop. Défaite. Trompété, c'est quoi le problème de trompété? Ah, tu parles des conjugaisons là. Ouais. Et oui, mais c'est pas un verbe en ET, trembloté. Mais maintenant il est bon avec deux T. Oui, mais c'est le verbe trompété. Oui, mais l'infinitif, il y a maintenant deux infinitifs. T'as trompété, trompété. Ah, ok. Tu vois? Non, mais ils ont enlevé le T. L'ODS non, 8, ils ont c'est avec un seul. Un T. Ah bon? Ouais. Oh lolo. D'accord. Ouais, mais pour moi, trompété avec deux T, c'est ODS8. Ah, d'accord. Wow. Et ils en ont fait quelques-uns comme ça, donc c'est pour ça que j'étais un peu. Mais c'est pas en ET. Peut-être qu'ils ont regardé que les ET, je sais pas. Je sais pas. Alors, riflette. Une rif. C'est un combat. Okay. Bon. C'est même pas un petit combat, hein. C'est un combat. Qu'est-ce qu'on a regardé? Galoubet qui était une petite flûte, ouais, on a vu. Adjectif mucroné, mucron, mucroné, pourvu d'un mucron. Jusque-là, tout est correct. Un mucron, une petite pointe en botanique, on y revient. Comme biacuminé. Voilà. Et grommelé, c'est étonnant que c'est transitif, ça aussi. Ouais, ça fait partie des. Tu grommelles des insultes. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais... Comme marmonné, alors. Oui. Comme marmotté, alors. Ok, très bien. Bougeoir. Chandelier bas sans fût se présentant comme une bobèche fixée sur un pied en forme de coupe. Ah, bah ça, j'ai bien compris ce que c'est là. La félinité. Plus R infertile infiltré. La ruse d'un chat. Bon. Éversion, on avait vu. Aversion, immersion. Décintré, le verbe décintré. Patelage, pergola, acméiste, acméisme. Bon, bah je crois qu'on est pas mal. Oui. Allez, plus que deux séries pour cette première moitié de, 5, de combien de 270 mots. Vousseau égale voussoir. Ah, je savais que j'ai oublié un truc. On avait dû l'avoir dans l'autre sens l'autre fois. Tu l'as mis dans l'autre sens, je pense. Oui. Allez. Attends, regarde la fenêtre. Anti-spam. Ok. Oui. Parfait. Anti-spam. Non. C'est pas ça? Il y a Bromélia qui existe. Ah! Non. C'est d'accord! Un meublier, ouais. Vérolier. Actinium. Actinium, voilà, c'est ça. Pleurage. Ouais. Ah oui, ça c'est Androcée. Ouais. Voilà. Fourreau. Galopant. Objectif, je suppose. Oui. Acidalie. Ah, c'est pas acidérie. Caldien. Médiamat. Waouh. Ouais. Comme tu dis. Bengali. Estocade. Ah ouais. Après, estacade.
D'où Sartre, Oh avec ses... oui. On peut mettre un E, hein, c'est ça? Ouais, bah, je Au crois que c'est milieu? une orthographe ODS6, le CCD, ou quelque chose comme Ouais. ça. On peut mettre un E, comment ça on peut mettre Là, un ici, ouais, pour faire douceâtre. E? Douceâtre. L'orthographe classique avec ses E. Ok. Anecdote. Anecdote, hein? Des canals? C'est un adjectif. Ouais. Relatif au doyen, je crois. Ah ouais, ok. Dépiauté. Apprenons, ouais, joli. Grenière. Dépiauté. Il doit pas y avoir de féminin, du coup. Je crois que c'est des soldats, les Ouais, si c'est grognards. les soldats, il n'y a pas de... Enfin... Écumoire. Bien. Thalasso. Thérapie. Rollmops. Rollmops. C'est avec les harengs. Oui. Plagiste. Bordel. C'est quoi ça? Frotteur. 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 Bluesman. Leucaine. Le Turcoman. classique. Ouais. Ou Turcoman, encore Turcoman. Liparidé ou Lipari. Lipari. Ah, Lipari 2. Ouais. Et. Ah. C'est quoi? Boutade? Non. Parce que il y a tout barde. Non, c'est boutarde. Non, c'est. Ah, mais non, c'est. Je le sais. Ah bah on voit que tu le sais, mais pour l'instant, on sait pas. Troubade. Ah! En lien avec les troubadours, peut-être bien d'ailleurs. Bravo! Pas de faute une nouvelle fois, vous êtes imprenable. Troubad, c'est un soldat. Ah bah tiens. Ah, Ah peut-être pas avec les troubadours, mince, c'est finalement. à grognarde! Ah ouais, mais c'est peut-être parce que ça veut dire ronchonneur aussi. Bah oui, Ah. grognard, oui, hein. Ouais. Pourquoi t'avais dit qu'il n'y avait pas de. Ouais, en fait, c'était non masculin, tu vois. Ah, oui, mais Enfin. Je t'as pense que les l'autre grognards sens. de Napoléon, il n'y avait pas de grognards, si tu veux. Oui, d'accord. Ok, virolier, virolière qui fabrique des viroles. Actinium, protactinium. Et bim. J'aime pas. Pleurage, fleurage. Androcée, plus D, endocarde. Plus P, endocarpe. D'accord. Galopant, galopant, scaldien, scaldienne de la région de Lescaut, tout comme scaldéen. Plus B, blondis, lucanidé, syndical, c'est la... tranquille. Bengali, C'est la bengali. base. Ouais. Eh bien, Douceâtre, parfait. voilà. Ah ouais. Douceâtre. Bravo. Douceâtre. Il y en a d'autres comme ça? En fait, s'il n'y avait pas le E, ça ferait Doucâtre. C'est un truc. Donc, soit on met la CDI, soit on met le E, quoi. Il y en a très peu des comme ça, je pense. D'accord. Et Douceâtre avec le E, c'est Doctereux plus A. Ah. Ah Avec oui. des positions. Pingali, tout ça, des canals, des canaux. Effectivement, grognard, grognard, rollmops, frotteur, frotteuse, turcoman, turcoman, Turkménistan égale Turkmen en fait. Turcoman. Et comburant. Concurrent. Liparidé, c'est un papillon. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de papillon. C'est vrai. Ça m'avait Est-ce qu'il manqué. est Alors, est-ce coloré? qu'il est coloré? Sachant que c'est un. Là, t'as écrit Oh, la papillon. surprise. Papillon de nuit, hein, mais là, je m'y attendais pas. Non, mais t'as écrit papillon, c'est pour ça. Pardon. Je dois écrire Liparidès, c'est ça? Ah, ça marche moins bien. Désolé, Ah, tu m'as cassé mon trip là. Maintenant j'ai des poissons là, c'est tout bleu, c'est le sombre et tout là, ça va pas du tout. sinon c'était bien un papillon. Hein. Bah, Normalement, on j'essaye a les dit deux, bleu j'essaye les deux et ensemble alors. Ah, bleu. bah ouais, C'était. bah d'accord, ouais, bah, il est pas terrible. Hein. Remboursé! Remboursé Liparidès. Bon. Alors, ben voilà, pour cette série, Acide Ali, Papillon. Ah, deuxième chance! Ouais, Papillon mais là, il est nocturne! nocturne, donc il n'y a aucune chance qu'il soit coloré. Comment ça, aucune chance? Je prends des risques, c'est vrai. Voilà, il y a photo. Ah, On ne peut pas dire que c'est coloré, quoi. Ouais, bon, bah, je sais pas, orange, c'est une Ils couleur. sont oranges, alors. Ouais. Pas des couleurs vives d'un papillon, quoi. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas vu. Voilà. Estocade. Estacade. Un coup d'épée. Portez l'estocade. Médiamat. Médiamat. Système de mesure de l'audience. C'est ça en fait. Miam C'est miam. l'audimat quoi, c'est la même chose que Ouais, l'audimat, ouais. non?
écumoire, mucoriné, thalasso, thalassotoc, fichtrin. Ça m'a un peu calmé. Thalassotoc, thalassocratie. Il n'y a même pas thérapie. Bon, de toute façon, c'est 8 lettres. Il n'y avait pas potamotoc. Ah, mais ça fait 16 lettres, c'est pour ça qu'il n'y a pas thérapie. Il y avait potamotoc. Si, ouais, potamotoc, ouais. Alors, thalassotoc, un poisson migrateur qui va se reproduire en mer. Et thalassocratie, puissance fondée sur la maîtrise des mers. Et il doit y avoir thalassothérapie, mais dans un autre dictionnaire, quoi. Hein. C'est 16 lettres. Ah, c'est ça. Sigisb, un chevalier servant d'une dame. Apparemment, c'est le vin de Savoie. Donc, Bengali du Bengale. Bengale, oui. Et puis, on a bordel, femme volage prostituée. Ah bon? Eh ouais. Bordel comme ça, c'est ça aussi. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Petit spam. Et puis, on va aller partir pour la dernière série complète. Alors que Androssé, c'est de la botanique et que pleurage, c'est la déformation du son d'un appareil électro-acoustique. La fenêtre, on regarde. Correct. C'est bon, ok. Macroule, anagramme. Mucoral. Mucoral. Après mucoriné. Mucoriné. Ouais. Qu'on a eu tout à l'heure. C'est quoi? Millibar. Millibar. Ah ouais, c'est pas facile. C'est pas bowling. Hein. C'est bowling. Non, c'est une blague. Bowling. Alors, par non, contre, c'est hein, globulin. C'est globulin. Et globuline. Oui, hein. Oui. Je pense. Bon. Bowling. Blongios. Blongios. Ah ouais, Blongios. Il est magnifique. Manipuri. Oui. Il est pas mal. Ah, c'est, c'est la fiesta. Pétardé. Intransitif. Je suis pas si oui, sûr, hein. En fait. Pétardé, c'est pas deux. Pétardé, je dirais oui, mais pétardé, je dirais non. Je prends des risques. Ok, Gallican. De toute façon, faut que je les révise. Ça fait 6 mois. Je les ai pas révisés. Ouais, moi aussi. Mais... Tricard. J'imagine. Okay. Sauf, si un piège. Sauf si c'est un piège vicieux. Quelqu'un, je tombe à pied joint. Variolé. Variolé, ouais. L'anagramme de plaindra. Oh là là, post-prandial. Ouais. Gabonais. Allusive. Virtuel plus E, c'est relutive. Ah ouais, bien joué. Rélutive, en fait. Rélutive, ouais. Ouais, mais ça, il faudra me le dire plusieurs fois. Mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Clignoter, c'est 2T, on est d'accord. Hein. Donc, ben, c'est... En fait, on n'est pas d'accord, en fait. Bah, non, je le mets comme ça, clignoter, paradeur. Ah oui, ok. Inalpage, non. Si. Si, je dirais oui. T-shirt. Oh, il est trop dur. Absidal. Oui. Et absidial. On va y aller deux. Oui, hein. Oui, tout à fait. Merging. Invariable. Merging invariable. Dédorage. Il était sorti à l'Open des Champions du Monde 2011. Dodinage. Ouais, ouais. Il y avait une case rouge juste à côté, je crois. C'était la fête. C'est quoi, Dodinage? Oui, hein. Bugle, bagel, ouais. Ça se mange pas, hein. Je crois pas que c'est ça. Non, c'est pas comme le bagel. C'est le bagel. Quoi ? Contrage ? Ou pas ? Peut-être. Contrage. Ça va pas être tronçage, hein, de toute façon. Bah sinon, ça peut être un truc en... Genre corrigeant, mais comme ça. Non, contrage, ouais, je pense. Bon, on sait pas. Peignier. Peignier. Doctoral. Le retour des docteurs. Ah, ça c'est. Gabion. Ouais, tout ça. Bessemer. Tribad. Après Troubad. Polaroid. Et Contrage. Hein. Qu'est-ce que tu veux, je te dise. Comment ça, qu'est-ce que tu veux, faut chercher là. On a fait qu'une seule faute, monsieur, pour l'instant. On va pas balarguer ce tirage. Garçonnet, c'est avec deux N. Ouais. Sage.
C'est le gars qui a rien à bah, voir. C'est pas cagnoté quand même. Non. Non. Ah, c'est cagnotte avec deux T en fait. Avec clignote, c'est un T. Okay. Bon, contrage. Cogérant. Non. Mais c'est le verbe cogérer. En ouais, plus, c'est un cogérant. Peut-être qu'il n'y a pas de féminin. Un cogérant. Peut-être qu'il y en a un. Bien joué. Cogérant, cogérante. Ouais, c'est pas loin de cogérant, mais c'est aussi un adjectif, quoi. Ouais. Bon, bravo, ouais. 30 sur 30. Plus dans la douleur, quand même, là, cette série-là. Hein. Ouais, ouais, un peu plus. Ouais. Alors, mucorale, mucor, mucoracé, mucoriné. Globulin, globuline, bougillon. Oh, oh. Il y a des trucs devant globulin. Ah, oui. Gamma, macro, micro, tiro, gamma, immuno, macro. Et puis voilà. Oui, uniquement globuline. Et tiréo aussi. Oh là, le plus beau, tiréo. Mais c'est que globuline, on est d'accord. Ah ouais, pardon, 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 pardon. Il n'y a rien devant globulin, c'est que devant globuline. Désolé. Ah oui, comme ça c'est plus clair. En plus, il n'y a pas les pluriels là. C'est plus clair. Ok. Bon, bah du coup, ça fait moins sens d'essayer de les retenir. Enfin bon. On peut jouer globulin, puis globuline, puis machin, mais... Quand on ce serait un concours de circonstances, quand même. Hein. Ouais. Ouais. On les inventera. Hein. Voilà, on tentera des trucs. Un bon souvenir du vocabulaire. Eh oui. Blongios. Donc, toujours un S, au D6. Un petit héron des marais. Ah, ben voilà. Alors, je vais tenter le... tu veux tenter comme ça. Oui, voilà. Mince, mais ça marche pas mon truc en fait. Bah non, je l'ai pas en fait. Blongios. Apparemment, ça marche pas tout le temps. En fait, on n'a pas de Wikwik des fois. Que c'est que ça. Ah, j'ai mis Blongios, ça marche pas du tout. J'ai des blondes. Blongios. Voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux Blongios ici. Ah ouais. Mais pour l'instant, c'est Wiki 0, Google. Ouais, Google des points. Hein. Plongios, Gallican, Gallican, c'est quoi? Partisan de l'indépendance de l'Église de France par rapport à Rome. Mais il y a le gallicanisme également. Bon, ma foi, ça se rajoute. Au point où on en est, hein. Bah oui. Maintenant qu'on a retenu tout ça, il faut rallonger. Bah, on continue, quoi. Bah, c'est ça. On a grandi notre vocabulaire. Bougillon, c'est joli, hein. Tricard, 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 tricard avec un Q, waouh. Prandial, prandial, post-prandial, yes. Un point rallonge. Gabonais, gabonaise, parador, paradeuse, inalpage, montée de troupeaux et troupeaux à l'alpage. Pralinage, patinage, ok. Je vais vérifier s'il y a des alpages, comme ça veut dire qu'il y a tout. Ah non, la poisse. Bon, bah, il n'y a pas des alpages. C'est pas de chance. Pralinage, platinage, ouais. Absidal, absidial. Maradjing devenu. Ah, il est devenu variable, le bougre. Il fait partie de la QV. J'avais oublié. 2008-2020. Ah, il n'est pas sur mon mur, c'est pas normal. Oh là là, faut vite le rajouter. Dédorage, dédorure, dédoré, dérodé, co-gérant, co-gérante. Il est passé où le co-gérant? Il est là-haut. Ouais. On a bien fait de réfléchir quand même. Le ouais, balancer ouais, contrage, non mais contrage, non mais. Épinglier. Plus celle épinglier, pas mal. Attends, je vais l'ajouter au révision quand même là. Tribad. Ok. Épanthèse triband. T-shirt, il est magnifique. Je le rajoute. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ça, c'est parfait. Il reste plus que deux mots pour cette première moitié. Clignoté, intransitif. Fin. Rélutif. Non, monsieur, c'est écrit relutif. Bon, alors d'accord. Alors, il y a quand même des mots qui contiennent contrage. Nous avons contragestif et contragestion. Ah ouais, je les avais vus avec un sous-mot. Ouais. C'est pour dire que contrage est valable au crabe. Contragestionné. Ah oui, d'accord. Il y a comptage, conchage, convoyage, concassage et consortage. Ah, et concubinage, contricolage. Ah, tu regardes tous les contres. Manipurie, style de danse indienne. Plus T, Partinium. Oh, Partinium qui était sorti dans des originales de Vojani il y a 2 ans. Ah bon? Ouais. Alors, manipurie,
plus T. Ah. Ah. 8B4. Je lutte contre mon propre fichier. Partinium. Voilà. Je ne vous l'ai pas mis à l'écran. Allez, je vous le mets. Partinium. Du tungstène. Pétardé, tu vois, c'est transitif. Ah oui. Donc c'est pétardé qui ne l'est pas, alors, ou... On va le savoir très vite. C'était la même chose. Ouais, effectivement, c'est un transitif. Pétardé se fait exploser avec des pétards. D'accord. Pétaradé, c'est la moto qui pétarade. Ok. Millibar. Ok. Et rien à dire sur un millibar. Bon, bah, je crois qu'on a fait tour à terrure. C'est le porc épic. En... À queue, en brosse. Oh, bon, on peut pas rater. On peut pas rater la terrure, là. Hop. Bon, on a vu un meilleur porc épic l'autre fois, si je me rappelle bien. Oui. Je sais plus ce que c'était. Je sais pas si c'était de lui ou un autre. Bon, allez, c'est parti. Donc, variolé adjectif marqué par la variole. Allez, les deux derniers, on va essayer de pas se rater. On va essayer. Lapement. Ça et ça a rien. Bravo. Lapement. Lassement. Subsaharien. Transsaharien. Il n'y a pas 6 sœurs. Je savais que t'allais. Ah, je suis trop prévisible. Voilà. Bon, bah, on est bien là. Franchement, une seule faute, quoi. 99,6%. Ouais. Ouais. C'est un peu dommage quand même. Biangulé, ah, le crève-cœur. C'est ouais. Vrai. Et ouais. Outplacement, ah non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est sur l'assement. Mais je revenais plus sur Bolinche. Sinon, j'aurais dit. Mais je revenais plus. Ouais, alors, on l'a pas mis, Bolinche. Il y a Bolincheur même, tiens. C'est le filet. Il y a voilà. Bolincheur. Ouais, c'est le bateau qu'utilise des Bolinches. Bien sûr. Ouais. Allez, port bien, bravo. Je vais aller prendre à boire pour la suite et on continue dans une minute à peine. À tout de suite. Très bien. À tout de suite. Et pendant ce temps-là, tu veux faire une petite chanson? Ah, eh bien, pourquoi pas? Alors, travaillons le vocabulaire. Voilà, c'était très émouvant. C'était bref. Travaillons le vocabulaire. C'est un intervalle complètement improbable qu'on appelle parfois un triton. Mais que je n'avais pas du tout anticipé. Ah, un intermède musical. Ouais, c'est ça. Chouette. Ouais. Allez, vous êtes prêts pour la dernière série de la liste des 8 lettres. Est-ce et on est sur les bases de 2h30 toujours, donc c'est bien. Est-ce que ça se mange, un vitoulet? Tu tentes là. Pas, c'est pas un cassoulet. Hein. Je pense que c'est, vrai que c'est quelque chose qui est censé se manger. Allez, on verra si ça se mange vraiment. Et si ça se mange pas, vous devrez le manger quand même. Mercanti. Ah oui, joli. Blague. Unifolier. Oui. Follette. Diaspora. Unifolier. Cosigné. Madrigal. De Madrig. Pardon. De. Je sais pas ce que je dis. C'est un poème. De Martigues, je voulais dire. Et je vois pas le rapport. Minsolet, c'est mince. C'est quelqu'un qui est mince. Hein. Minsolet. Il y a Minsolet, ouais. Oui. Broutage. Peut-être c'est un jeune homme mince. Il n'y a pas de Minsolet, peut-être. Broutage. C'est pas tourbage. Hein. C'est ni tourbage ni obturage. Hein. Non. Très bien. Pédaleur, ouais. Fourier. Binomial, comme le coefficient binomial. Péager, non. Le repérage? Oui. Ah oui. Et
Huitaine. Environné. Ah non, environné, venaison. Ah bah ouais, on l'a vu tout à l'heure en plus. Après la venaison. Là, cette fois, c'est la chasse. Oléifère. Alluvion. Qui est bien sûr un nom féminin. Brément. Je pense que c'est variable, hein, le brément. Je pense que c'est... Ouais, ouais je pense. Ouais. Le fait de brère. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Emplâtré, ouais. Je sais pas si c'est emplâtré ou emplâtre. Hein? J'aurais dit emplâtre, mais... Ouais, c'est pas un verbe? Non? Je crois que c'est un verbe. Ah, peignoir. Ouais. Mémérage. Ouais. Mémérage, ouais. Cossard. C'est Ratsok. Poulsard. Tu te rappelles, Edouard? On l'a déjà eu, oui. Ouais. C'est rapport avec le porc, ça? Ouais, c'est une race de porc. Sans et là, on peut mettre un S. Hein. Ah, oui. Juste un S, hein, c'est ça. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Oula, incongru. Ah ouais, joli. Et galopin plus zen, c'est pangolin. Ah, bien joué. Bravo, cette fois ça, on n'a pas fait de faute d'entrée. Non. Mercantile, mercantilisé. Un commerçant malhonnête. Alors est-ce que le vitoulet se mange? La question que tout le monde attend. Et oui, c'est une boulette de veau hachée. Bravo. En Belgique, je peux même. En plus, pas. Ouais. Alors, pélagre, c'est une maladie, il y a pélagreux. Ça, c'est fou quand même. Pélagre. Manque de vitamines. Ouais, ça vaut le coup. Pélagreux, ça peut faire des points. Ouais, c'est sûr. Unifolié, bifolié, trifolié, perfolié, quadrifolié, folié, on en avait déjà parlé. Follet, follette. Ok, alvéolé, adjectif, alvéolite. Madrigal, petit poème. Et il y a même un madrigaliste. Oh là. Mince soleil, c'est. Il y a bien mince soleil. Il y a mince soleil, ouais. Très mince, chétif. Mais c'est pas forcément un jeune homme. Bouturage, boutargue, autoberge, raboutage. Ouais, c'est appuis de broutage. Boutage, croutage, raboutage, autoberge. Bouturage, boutargue. Boutargue, etc. Collatré, ouais, bon. Intensitif. Un pédaleur ou pédaleuse. Fourrier, fourrière, fournier, fournière. Radio repérage même. Venaison, fenaison, alluvion. Alluvionné même. Ah oui. Effectivement, une alluvion, un dépôt laissé par un cours d'eau est alluvionné. Accroît un terrain en déposant des alluvions. Eh bien. Oléifère, ton extrait de l'huile. Vraiment, qui est tout à fait variable, c'est le cri de l'âne. Ah, enfin, les ânes sont de retour. Ouais. Emplâtré, effectivement, c'est un verbe, désolé. C'est à la fois un nom et un verbe. Percuter un obstacle. Emplâtrer. Il y a beaucoup de verbes pour emplâtrer des trucs dans l'ODS. Ah oui, je vais t'emplâtrer quand comme beignet. Peignoir, jamais facile à former. Non, c'est vrai. Mémérage. C'est un commérage. Cossard, cossarde. Paresseux. Landrasse. C'est une race de porc en fait. Ouais. Ah non. Landrasse, ouais. Poulsard, c'est le cépage. Semblant. Eh oui, c'est le S uniquement. Incongru, incongruité et incongruement. Wow. Et pangolin. Voilà. Pas mal. On peut mettre le pangolin, bien sûr. Ouais. Pas faire de la discrimination anti-pangolin quand même. Hop. Le pauvre. Ouais. Il a rien demandé. Hein. Ça me rappelle un texte de Debroge sur le pangolin. D'accord. Qui est assez marrant. Que j'avais trouvé assez marrant. Ben voilà, on est bien là. Madrigaliste, c'est pas mal. Allez, go! Un cigarier? Cigarier. Oui. Verrier. Gomasio. Magogué. Plus G. Ah oui, oui, oui. Ah, de oui. Magog. Magogois alors?
Oui, Magogua. Magogua. Pardon. Ah, mais c'est ça. Je crois que c'est au Québec, Magog. Bardassé ah. Non. Brassard Bars. Angoisse. C'est une plantation de rouvre, hein, on est d'accord. Fusaïeul. Utopisme. Ouais. Cétogène. Épunier. Laïcisme. Dulcitol. Citol. Ouais. Mugilidée. Ah ouais, joli. Ashanti. Hmm. Remeublé. Rabotage, cramoisi, foutral, okay. Non. Un papillon, on espère qu'il est coloré. Orthèse, ouais. Bigrille, grille, un poste, ah non. Oui, un poste. Un poste, ouais. Vestal. Et il y a les Vestalis, toujours au pluriel. Je ne sais pas. Le brutisme, le turbisme. Misturbe. Terbium. Terbium. Oh. Et on prépare YT devant. Ah ouais. Oui. L'an passé qui est un verbe. L'an passé. Non seulement le verbe l'ampé, mais également le verbe l'an passé. Et c'est pour ça qu'il est là, bien sûr. Bedonné. Intransitif. Dadaïsme. Tastevin. Curatage. Vallon. Terfesse. Ouais. Une race terrible. Brazard. Brazard ou il n'y a pas un truc Brazard. Non. Brazard. Le bon débarras. Un débarras. Il est violent quand même. Ouais. Bravo. En fait, j'avais pensé à débarras, mais en tant que verbe, tu vois. Ah, mais c'est vrai, t'as raison, en fait. c'est... Alors, ça veut dire qu'il y en a un autre, du coup. Bah, bras de rat, quoi. Ok. Bras bon, je suis d'accord que la présence de ce mot ici est discutable. Mais voilà. Cigarier, cigarière, magogua, magogoise de magog, au Québec, gomazio plus G, effectivement. Utopisme plus espumosité, cétogène corrigeante, laïcisme, laïciste, achanti, achanti avec un C ou avec un S, remeublé, démeublé, rabotage, crabotage, on prépare le C plus B, barbotage plus I, rabiotage plus U, raboutage, faites votre marché de âge. Cramoisi, c'est toujours la fête. Quoi. Foutral, 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 ALS, attention, mais pas de foutreau. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il est ? C'est une astuce. Il est au milieu. C'est extraordinaire. C'est assez étonnant, quand même. Un jour, il faudra faire des statistiques sur la proportion d'adjectifs et de noms en AL qui ont leur pluriel en AUX. Ouais, c'est possible. Parce que... Iterbium. Histoire de ramener mon troll habituel sur le texte. Vestali. Vestal. Alors, Vestal ? Ah, c'est une prêtresse de Vesta. Ouh là là. D'accord. Et il y a les Vestali qui sont les fêtes qui ont un rapport avec cette même Vesta. Ces petits mots invariables, attention, hein, c'est un poste. Donc, une pierre en saillie d'une arcade. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que le papillon Vanesse est coloré ? Diurne richement coloré. Oui ! Vulcain. On nous prévient qu'il est coloré, ça va être beau là. Oh, oui, tu vois, ça c'est... Enfin, on est récompensé quoi. Ouais, le nombre de papillons qu'on a vu non colorés, c'est, ouais, c'est formidable vrai. Quoi. Ça ne rend pas hommage aux papillons. Non, franchement, on pourrait faire un effort. Ok, alors bigrille, bizarrement. Non, pas, c'est pas un verbe. Hein. C'est un adjectif, en fait. Ah, pardon. L'an passé. C'est un quadrupède dont la langue est d'un émail particulier. Ok. Pour moi.
l'an passé. On dit aussi l'an dernier. Un poste d'Adaïs Bedonné, test 20, curetage. Iterium, test 20, récipient pour goûter le vin, curetage, écroutage. Terfesse vallonné, c'est un verbe par contre. C'est chaud ça. Oui, ça oui. Ouais. Curetage, ah, curetage avec deux T. Ah, ouais, et mugilidé, poisson type mulet. Mulet. Comment ça, type mulet? Très connu. Dulcitol égale dulcite. D'accord. Ah, c'est une matière sucrée en fait. Ok, d'accord. C'est pas ça qu'on met dans les chewing-gums ou je sais pas quoi là. Oula. Mais j'en sais rien. Il y a beaucoup de matière sucrée. Hein. Je parierais pas sur le dulcitol. Mais les nouveaux chewing-gums, là, on met quelque chose de particulier dans ces. Ah, parce qu'il y en a des nouveaux en plus de ces saloperies. Il y en a toujours des nouveaux. Alors attends, je dois cliquer genre quoi, là. Et là, c'est écrit, c'est ainsi que le dulcitol fournit des quantités notables d'aldéhyde glycolique et que le sorbitol a permis de séparer une petite quantité d'un tétrose. D'habitude, c'est le sorbitol, justement. Bon, c'est pas. On ne sait pas. Alors, utopisme, spumosité, cétogène, susceptible de former des cétones dans l'organisme, laïcisme, rouvray. C'est une pièce, un lieu planté de rouvre. Verrier. Bon. Et rouvre, c'est quoi? C'est une plante? C'est des fleurs? Des arbres, je pense. Un arbre. Rouvre? Ok. Une sorte de chêne, je crois. Non, de hêtre, plutôt. Verrière. Bon, mais en plus, il y a verrière. Il y a deux sens en plus à verrière. Ah oui. Ça sert un peu à rien, ce que j'écris. Ah, ils ont mis un seul. Bon. Ah non, c'est un chêne, en fait. Ok. Ah, terfesse égale terfesse, champignon souterrain voisin de la truffe. Ah, c'est ça, c'est sans... Ah oui, voilà, c'est comme ça. D'accord. Qui n'a rien à voir avec les tire-fesses, attention. Ouais, je croyais, en fait. Hop. Bah, moi aussi. Et fusaïeul. Ok, bien, allez, 211 mots, programme. Ding-dong. C'est possible, ça? Ding... Non, get. T'arrives même pas à faire un mot. Cogdina. Gigondas. Gigondas, ouais. C'est bon en plus. Ravaleur. Biergol. Casemate. Cordonnel. Déponant. Comme les verbes déponants en latin. Cougua. C'est pas avec un A, déponant? Non. Cougar. J'ai du mal avec celui-là. Nobelium. Ah, Nobelium, oui, c'est ça. Déplâtré. Cétifien. On l'avait eu dans l'autre sens. Ah bon? Oui. Bah ouais. Infini. Non. Fintise. Beau. Décennal. Souffroir. Ouais. Souffroir. Il était sorti en onuple il y a 2 ans dans un tournoi. Oh, avec le F sur bleu ciel. Là. Ça devait être bien. C'est vrai, ça devait non, en fait, il y avait un pauvre truc à moins 27, je crois. Ou tout comme ça. Trilite. Des boules là. Allez. Ça a l'air dur. Soudable. Soudable, ouais, c'est ça. Aviateur, cormoran, groupeur. Oula! Je sais pas ce que t'as tapé, mais c'est pas. Ça a collé le terre-fesse de tout à l'heure. TI. Non. Steny, ouais. On prépare le A. Arrête. Oh, bah tiens! Parade, passe d'Aran, ouais, c'est ça. Feu fier, ivoirite. Triote, ouais. Ah oui. Quand ça sera les lettres, on jouera ivoirité. Ah oui, c'est 3 i en fait. Bastidon. Oh.
Et l'automne. Le classique. Ouais. Calmé. Ah bah ouais, encore ça. Brisbane. Ouais. Beau. Agua. Futial. Futaille. Ouais. Glandage. Et glandage. Bravo, bonne série. Elle était pas évidente. Sans trembler. Ouais. Gigondas, ravaleur, ravaleuse. Alors de façade ou quoi? Ouais. Donc le Gigondas, le vin du Vaucluse, Biergol et toute la famille. Galdiergol en fait. Comme le noté. Biergol, Biergol, Triergol. Il y en a d'autres? Ouais. Ah, tu veux regarder tout ce qu'il y a dans Ergol? Non, mais... Ah, oh, non, ça, c'est pas Ergol, ça. Ouais, ouais. Non, Monergol, Triergol, puis ouais, en fait, Propergol, Hypergol, Catergol. Casematé, c'est garnir de casemate, voilà, qui... c'est des planches de bois. Abri enterré d'un fort. Ah non, c'est pas ça du tout. Déponant, déponante, mais ponant. Ah, c'est pour ça, je mélange. Déponant, déponante. Forme passive. Fichtre. Cougoir égale cougoir. Il y a plusieurs intégrations. Cormoran plus romanchero. Ah, joli. Grouper, groupeuse, asthénie, mi-asthénie, hyposthénie. Et d'autres. Comme hyperasthénie, neurasthénie, psychasthénie. Un neurasthénie, c'est le plus connu. Mais... Ouais. Un rapaïma, c'est le poisson, le fameux, le grand poisson. Il ne doit pas avoir beaucoup d'appuyé, ça c'est sûr. Bah, vraiment le grand poisson, quoi. C'est vrai que... Bah, dès que tu pars en Amérique du Sud, les trucs sont plus grands, quoi. Mais genre 10 fois plus grands. Hein, ouais. Propre purée. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ok. Comprenez pourquoi elle a fait des points en ONU plot, quoi. Passe d'Aran, en Iran, gardien de la Révolution. Donc, aviateur, aviatrice, soudable. Ok, rien devant. Souffroir. Local où l'on blanchit la laine par souffrage. Trilito de 7. Un grand monument. Formé de pierre. Qu'est-ce qu'on est. Alors, on maintient. Feutier, feutière, fritrio, vitriote, bagueur, bagueuse, pragua, pragoise, pragua, pragoise, portugais. Joli portugais. Futaille, ouais. Enfutaillé. Égal enfuté. Glandage, galandage. Bon, enfutaillé, c'est pas mal. Risberme. Talus qui protège un ouvrage hydraulique. Pas facile. Petit psylotome, le petit bastidon. Il y a de quoi faire, hein, quand même. Petite bastide. Feutier, feutière, nouveau mot 2020, employé qui s'occupe des cierges à Lourdes. Et du hors du boulot. Eh ouais. Cordonal, relatif au cordon de la moelle épinière. Feintise, une tromperie, une feintise. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Le petit roman de Chéreau, là. Pas sûr que ça soit pas plutôt romancero dans la prononciation, ça doit être espagnol. Ça, je te laisse le juge. Mascotte. Ouais, ça c'est ça du C1 parce que c'est parce que il y a succès d'année. Bon, tout à fait, c'est romancero, hein, je confirme. Futunien, Auteuré, Spergule. Et c'est Aspérule, c'est ça. Débineur. Débineur, débinage. Je suppose. Agencier. Embrayine. Borduré, oui, c'est ça. Annihilé. Annihilé. Épilogue. Ouais. Ouais. Transitif, je pense. On suppose. Ouvreuse. Ouvreuse. Une gerbille. Gerbille. Ça, c'est un petit animal. Ouais. Une sorte de chien de prairie.
Ouais. Non. Incident. Un incident. Ouais. Dodomé. De Dodoma dans un pays africain. Déplanté. Oui. Oisiveté. Ouf. À savoir. Qui ne se conjugue pas. Non. Atétose. Atétose, oui. Non, pour le classique. Non. Ouais. C'est quoi, c'est un i itose. Oh. Un grand classique aussi. Oui. Buandier, oui. Embelli. Nabise. Le petit 7 lettres au pluriel. Ottoman. Des suites, du coup. Ah, c'est quoi ce truc encore On avait vu que c'était albuginé. Et ouais, c'est le haut des suites. Hein. Ah, si, c'est bilan. Et prêt au roman pour bien finir cette série. Qui n'était pas donné. Bravo. Oh. Ça, du C1 avec un ou deux dés. Plus R, ascendeur. Oh my word. Mais alors, mon succès d'année, il est pas... Ah bah ouais, mais il faudrait peut-être le mentionner quand même, là. Je genre, sais. C'est évident, quoi. Oui. Succès là, d'année, sérieux, là. Magnifique, là. Plus C, succès d'année. Mais ascendeur, c'est joli, hein. Adjectif en plus, succès d'année, alors. Oui. Ascendeur, c'est pas mal non plus. C'est vrai. Dispositif utilisé en alpinisme. Bon, Futunia de Futuna. Wallis, c'est Futuna. Hautero égale hauteret. Une petite hôte. Débineur, débineuse. Buandier, buandière. Et buanderie. Hein. Ouais. Agencier, agencière. Embrayne, pucère, barémien. Le petit 9 lettres. Barémien, oui. Déjà, embrayne, c'est de l'alcool de l'ambre gris. Ouais. Et c'est de la géologie, bien sûr. Oh, mais il s'est abusé quand même. C'est vrai que là... Je veux bien... Il doit avoir un géologue dans le coin. Mais oui, depuis 40 ans, en fait, il doit y avoir un géologue. Il met tout, genre, quoi. Genre un bouton, non mmh. Il les met tous, ça, c'est vrai que... C'est fou, quoi. Alors, borduré. Tenir à l'écart. Ok. Annihilé, agencière, barre... Couvreuse. Incidente, d'ailleurs. Incidente, ouais. Épiloguer qui est transitif. Ah oui. On peut épiloguer des trucs. Ah, ah on okay. Peut commenter, d'accord. Ça peut vouloir dire commenter. Ouais, ouais critiquer d'ailleurs. À savoir d'effectif, il n'y a que l'intransitif. Oh, mon symbole, il a pris un petit. Il n'est pas trop noirci là. De Dodoma, bienvenue en Tanzanie. Tanzanie, d'accord. Barbudien. C'est joli. Éclogie plus sous de la cétologie. Pré-roman, pré-romane, pré-romantique, pré-romantisme. Mais il y a buandière, buanderie, hein, c'est ça, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Potomano des suites, bilango des suites, nabisme. La théorie picturale des nabis. Peintre post-impressionniste du 19e. Ok. Cannabique. Ouais. Ouvrier qui lave le linge. Buandier. Monogame, monogamie. Bon, certes. Il est au sol. Un sol peut évoluer en géologie. L'emploi. Un vertébré aquatique primitif. Chromalin. Type d'épreuve en couleur. Ça alors. Allez, on peut vous montrer des gerbilles. Pour faire une petite pause. Voilà. Toute mimi. Vous vous réconfortez de tous ces mots. Euh...
Bon, bah, on a tout vu, je crois. Spergule. Petite plante à feuilles en lanière. Cariophyllée, ça m'a fait un peu peur, là. Les fameux Sadducéens, c'est les membres d'une secte juive rivale des pharisiens. C'est sympa. Allez, c'est parti. C'est plus que 5 séries. Les toutes dernières. Édiction, oui. Colligé. Cotidal. Oui. Au même niveau des marées. Résistif. Sympa. Illuvion, qui est un nom féminin, à la surprise générale. Tout comme alluvion, alors. Ouais, et illuvion aussi. Il n'y a peut-être pas le verbe illuvionner, pour le coup. Je crois pas. Ce serait abusé, quand même. Ouais, télécom. Qui est devenu joueur comme ça. Codéiné. Poutinage. Non. Pointage. Sacergenceur. Toubiste. Mancel. Y'a pas un truc devant Mancel. Catergol. Ah ouais. On l'a vu tout à l'heure. Écossage. Octaèdre. Il me disait que c'était dur à former, mais je le trouvais pas. Poloïsme. Non. Mais il y a le poloïsme, mais je crois pas qu'il y a le poloïsme. Hein. Non. L'hyposome, voilà, c'est ça. En suffit. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Loli ? Monobase. Mais attention, il n'y a pas de bibase. Je sais, j'ai déjà pris le zéro. Oula. Diapose, ouais. Salsifi, qui prend toujours un S. Pandanus qui prend toujours un S. Pandanus, oui. Paralume. L'alcoïsme, c'est pas bon. Non. Plus imaisicle, mais. Camisole. Ah oui, c'est ça. Leggings. Plus M Macédoine. Océanide, impossible à voir cette. Fouaille. C'est un verbe. Est-ce que c'est transitif ou... Foyer. Trouveur. J'aurais eu comme un doute sur la transitivité. Classard. Ouais, ça doit être classe. Anglican. Pas mal. Bravo. C'est beau. C'est un sans faute pour l'instant dans cette série D. Édiction, prédiction, bénédiction, malédiction. Caronade, macaronade. Comme dans danser la macaronade. Télécom, singulier de 6. Pointage, et pointage, appointage, dépointage, télépointage et le pianotage. Agenceur, agenceuse, doubiste, du doux, c'est pareil que les doubiens. C'est obusité, obusite plus D. Mancel plus A, canamel. Ah, c'était pas une rallonge, c'était un appui 9 lettres. Waouh! Qui est pas mal, hein. Canamel là. On ne s'invente pas, ça. Canne à sucre. Plus P, campanelle. Ouais. Sonaï. Sonaï qu'on mettait au dernier. Alors, octaèdre plus G. Déroctage, le fameux. Déroctage avec quoi Nigel avait confondu. Salsifi, toujours un S. Ouais. Fossilise. Ok. Legging, nouveau singulier au D7. Car il n'y a pas que des pluriels qui rentrent, il y a aussi des singuliers. Comme Vatican. Trouveur, trouveuse, classard, classarde, anglican, anglicane et anglicanisme. Jusque là, ça se tient. Classard, classarde, conscrit de la même année, en fait. C'est les conscrits. Bon. Trouveur, trouveuse, déplissé, foyer, qui est transitif. C'est fouetté. Okay. Océanide, une nymphe de la mer. Macédoine, médocaïne. Ok, camisole. Médocaine. Pardon. C'est médocaine, pas médocaïne. Ah oui, médocaine, oula. Maïsicole, bien vu. David, l'appui de camisole, un appui de nombreux appuis que vous voyez à l'écran. Mélodica, Madicole, le petit classique.
Laconisme, sympa. Calomnie, mais laconisme. Ouais. Paralu, modeste 7. Un écran atténuant la luminosité. Plus H, à pas les murs. Ah oui. Fameux. Fameux à pas le mur. L'ami du Lépi les murs. Oui, 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 oui. Ah, c'est Lépi. Ils sont très amus. Très amis. Je crois que c'était Lépi les... Moi, je dis Lépi le mur, tu vois. Lépi le mur. Hein, pour le... Lépi le mur. Je savais pas que c'était. Parce qu'il est un peu poilu, le mur. Ouais. Lépi le mur, quoi. Un truc qui s'épile. Oui, je ne savais rien. Je le retenais comme ça. Et à pas le mur, c'est quand tu vas bientôt rentrer dans le mur, quoi. C'est ça. Ah, pas le mur. Alors, illuvion égale illuvium. De la géologie contre toute attente. Une couche du sol résultant du processus d'illuviation. Oui, oui. Ok. Égale illuvium. Bon, bah pourquoi pas. Alors que je tiens à mentionner que le fichier de définition a dépassé les... Ça ne m'étonne pas. Les 13 000 références. Donc, manuel. 13 000 références manuelles. Et la taille du fichier ? Non, on ne le voit pas. La taille ? Voilà. C'est, 385... je pense que c'est 385... kilos. Moi, je ne suis pas sûr qu'on la voit ici, ouais. Non, ça, c'est le nombre de lignes, ça, je pense. Non, c'est pas ça ? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Il s'agit de 377 kilos. Ouais, non, c'est ça. À peu près. Ah oui, c'est des kilos. C'est lourd, hein. Illuvium. Bien bon, oui. Ça va encore. Ça commence à être un peu lourd. Mais ça va. Alors, caronade. Ancien canon de marine. Macaronade, un plat de macaroni. Ah résistif. Oui, résistif. On parle un plat de macaroni. Ouais. Résistif, résistif, colligé, le verbe édiction. Ouais, le fameux pointage. Bon, bah voilà. Dans 16 écochesses, catergol. Un pour pergol pouvant libérer beaucoup d'énergie par catalyse. C'est tendu pour les illustrations là. Allez, octaèdre. Ah oui, ça, il y en a plein. Également connu sous le nom de D8. Ah, D8 D8. Un D à 8 faces pour les jeux de rôle. Et c'est juste deux pyramides collées l'une sur l'autre, si on part des pyramides à basse carte. Ah oui, d'accord. Et en fait, si on prend un cube standard, qu'on prend le centre de chaque face et qu'on les relie, ça forme un octaèdre. Mmh. Et inversement. Ça ne m'étonne pas, inversement. Ouais. Écossage des petits pois dans un autre domaine. Bah voilà. Pandanus, un arbuste des régions chaudes. Ça ressemble à quoi, un pandanus ? Tape-le bien. Ouais. Sympathique. Petit palmier, quoi, un palmier. Non. Ouais, vite fait. Allez, c'est... alors diapose. Arrêt temporaire du développement en zoologie. Liposome. Vésicule artificielle microscopique. C'est tendu quand même. Allez, 4 séries, 4 séries. Éboutage, j'imagine. Éboutage. 10 pétales. 10 pétales. Ouais. Poulamont. Largable. Ouais. Mmh. Ivoirier. Ouais. Ndebele. Ndebele. Diaprure. Ah ouais. Cloutard. Classage. Colloïde. Raison. Ouais. Sauveuse. Panaméen. Panaméen. Ouais. Prosodie. Ouais. Itiste. Spondias.
Suiviste. Ça va. Je fais les listes, moi. Congrès, puisque, comme vous le savez, tous les verbes en grès sont transitifs. Filleul. Pas mal. Uricémie. Joli. Vaneuse. Nul. Solvaté. Solvaté. Oui. Plumette. Foulonné. Ouais. C'est pas un verbe ? Si, si. Demiurge. Palangre. Et Ignatien. Félicitations, c'était de belle série à 1,45, record de la vidéo. Éboutage et rien devant. Ne vous emballez pas avec les reboutages d'éboutage. Calmez-vous tout de suite et vous vous laissez comme ça. Ah, et vous rigolez de vos voisins qui prennent des zéros. Rien devant, cousin, aboutage. Mais là, vous vous rappelez qu'il y a raboutage, hein. Bien sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Vous êtes fort. Hein. Raboutage, maraboutage. Bouletage, bouvetage. Le moment âge. Autoberge, le retour. Ivoirier, Ivoirien, Ndébélé, Ndébélé, Cloutard, pas de féminin. C'est un élève de l'ENS de Saint-Cloud. Classage, rien devant. On ne reclasse. Il n'y a pas de reclassage, déclassage, rien. Colloïde et colloïdal. C'est en forme de colle, quoi. Substance qui a l'apparence de la gelée, de la colle. Panaméen, panamien, on avait vu en panage. Coudière plus H, douchière plus L, ulcéroïde. Prosodie, mais aussi dysprosodie. Ensemble des règles de la métrique. Dysprosodie, dans certaines aphasies. Modification du timbre et du rythme de la voix. Spondias, toujours un S. Il s'agit d'un arbre fruitier exotique, nous allons tenter de vous montrer. Et le fruit, c'est le spondias ou... Non, c'est l'arbre. Oui, mais le fruit, alors... C'est... Ah, tu ne sauras pas comment s'appelle le fruit. C'est des drupes, apparemment. C'est les drupes de tout à l'heure qu'on a eu. Drupéole. Drupéole. Les drupéoles du spondias. Voilà. Ça, c'est une discussion. Tous rejoints. Claire. Ouais. Uricémie et hyperuricémie, c'est la fête pour terminer ces billettes là. C'est la fiesta totale, il y en a de partout. Des prolongements. C'est clair que ces rallonges sont juste monstrueuses. Vanneur, solvate, solvaté. Soit c'est la rallonge, soit c'est les 9 lettres. Et on a un petit Aurignacien qui ne dénote pas. D'Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites. Ça, c'est Ignatien. Et maintenant, Aurignacien, se dit d'un stade du paléotique supérieur, caractérisé par les premières œuvres d'or. Non, mais sérieusement, là. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Comment tu veux qu'on s'y retrouve, là ? Je sais pas. Entre la géologie, palangre, cordes où sont fixées des lignes munies de hameçons. Bon, allez, je tente une illustration. Ah, c'est plus clair. On voit beaucoup la mer quand même. Ouais. Ouais. Tombe bien, ça a été. Alors, Ignatien, c'est sympa. Solvaté, il faut savoir quand même que c'est un adjectif. On peut penser qu'il n'y a que solvate. Itiste. En Algérie, un jeune chômeur. Prosodie, Koudia, panaméen, sauveuse, trahison. Plus E, on retrouve notre superbe tirage. Anti-héros, bah Atorion, oui. Héroïsant, Hortensia, Tonnerre. Et on retrouve Chantoir, Ratichon, Tranchet et Chatrillon. Voilà. Ah, ça aide. Hein. Ouais. Largable. Ok. Poulamon. Un petit poisson des chenaux au Québec. 10 pétales, qui a 2 pétales, mais ce n'est pas un adjectif, méfiance. En grammes, méfiance également. C'est de la psychologie. Une trace laissée par le cerveau. Dans le cerveau. Et par le cerveau d'ailleurs. Ben voilà. Trois séries. Cadoté, pardon. Un cadota, c'est rare quand même. Attends, mais pourquoi mon truc est décalé? Je comprends pas. Je l'ai décalé? Tabanide. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens de le réduire. Tabanide.
Ok. Tabanide. Tabanide, Fichtre. Daubière. Non, Daubière. Pamoison. Allez, ça, je sais. Diplotin sur AL. Donc, des points. Les gars, pas normal. Terminé. Empileur. Ah, ben on l'a eu, c'est bro... Ombrière. Ouais. Doucette. Géopélie. On l'a Macroul. Eu aussi. Fossette. L'autre fossette. Dingage. Guindage, oui. Théâtral. Viré, ouais. Abstème. Pas facile. Vitalisé. Ah oui, vitalisé. Dolomède. Plissage. Sampler. Espagnol. Ah ouais, joli. On l'a eu aussi, c'est... J'ai plus tout à fait. Il était plus dur l'autre. Connard. Impétré. Anneton. Canotage. Gerboise. Ouais. Allez, avec la gerbie, peut-être. Mm-hmm. Parangon. Parangon. De vertu. Et ouais. Bigarré. Attention, sans faute. Oui. Oh là 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 là. Ça maîtrise, là. Beau. Tabanidé, mouche de type temps. Un tabanidé, pardon. Ouais, ça ira pour cette fois. Mais c'est bien parce que t'as trouvé le mot. Ouais. Daubière, récipient pour cuire la daube. La pamoison plus M, pomaison. Évanouissement et la pomaison. Processus de formation de la pomme des choux et des salades. De la pomme des choux. Je n'ai pas compris la définition. La pomme des choux. Je vois qu'il y a beaucoup de fruits et légumes. Et des Scooby-Doo, par ça... non, ils ont oublié des Scooby-Doo. Dépointer. Déplacer une arme de sa position de pointage, ouais. Comme détirer, en fait. Ah bon, c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est que la pomme d'un chou? Ah non, rien à voir. J'aimerais bien savoir, quand même. La quoi? La pomme d'un chou. La pomme d'un chou. La pomme d'un chou. Ah oui, et de salade. Ouais. Calamine, résidu charbonneux. Et ce calaminé. Et qu'est-ce qu'il y a devant un calaminé? Un chou paumé. Ouais, les choux paumés, ça, d'accord, mais... Oui, des calaminés. C'est une histoire de pomme de chou, la formation de la pomme de chou qui fait que ça devient un chou paumé. Ouais. Ok. C'est ça, la pommaison. Ok. Mais il y avait la pomme de chou et d'autres choses, des salades. Des salades. Donc, il doit y avoir des salades paumées aussi. D'accord. C'est sympa, la rallonge ombrière, combrière. Combrière, ouais. Combrière, c'est un petit peu violent. Un filet pour pêcher le thon. Ah ouais. Faut pas l'oublier. Il y en a des noms pour des filets de pêche, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Calamine. Et décalaminé, donc, ouais. Doucette, 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 douchette, coudrette. Plissage, alors accrochez-vous. Déplissage, emplissage, remplissage, assouplissage. Ouais, c'est gérable, mais c'est chaud, quand même. Ouais, un peu tenté, quoi. Ouais. Tenter un mot, quoi. Sampler, sampleur, ouais. Dolomède. Araignée qui vit en colonie au bord de l'eau. Alors oui, sampler, il y a le verbe et il y a le sampleur. Non, il n'y a pas le verbe. Oulala, il n'y a pas le verbe, là. C'est quoi ce délire, là? Pourquoi? Ah, mais c'est... Ok, si, si. Y a le... Comment ça, il n'y a pas le verbe? Non, il y a samplé. Hein. Ah, c'est parce que c'était avec un S, donc il ne me l'a pas mis. Ouais, donc c'est bon. Oui, oui, okay. Donc, espagnol d'Espagne. Espagnolette, espagnolisme, et... voilà. Canotage, Catalogne. Catalogne, ouais. Gerboise, petit rongeur et gerbie. Et allez, on va aller voir la gerboise. Allez, je retente le week-week. Je suis motivé. Voilà. Non, au moins une gerboise. Maintenant, on va aller avoir plusieurs gerboises.
Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment rien à voir avec une gerbille, en fait. Enfin, ça a un petit peu la même famille, mais voilà quoi. Ouais, c'est sûr. Parangon, et parangonné, ah ouais, parangonné. Ça c'est monstrueux. Hein. T'as l'impression qu'il n'y a rien devant, hein, derrière. Aligner hein. Des caractères de corps différents. Ouais. Parangonné. Abstem, qui s'abstient de boire de l'alcool. Hop. Ah d'accord, c'est ça. Futilité. Très viré qui est transitif. Théâtral, guindage, fossette. Petit creux. Ok. Macroule, autre nom de la foulque. Mmh. Attention à ça. La géopélie. Un petit pigeon de Malaisie et d'Australie. Ça ne sautait pas aux yeux avec le nom. Non. Voilà. Ah. Pigeon, mais spécial. Et un empileur, une empileuse, ombrière, structure destinée à fournir de l'ombre. Okay. Bon ben voilà, ça me paraît bien. Plus que deux séries. Argeo plus T égale Parigote. Parigote. Plus T encore égale Patrigote. Tendance. Tendance. Comme dans une série, bref. Hier, on a joué Cieux au premier coup, il l'a transformé en Tendancieux, quoi. Oh. Ah ouais, c'est monstrueux. C'était... Ah, c'est quoi ça c'est Empérien. Empérien, ouais, c'est ça. Diatribe. Adjectif. Ouais. Verbe. Oui, bien sûr. Ou signe. Verbe. Un cas donné. Attention au piège. Et ah, par contre, c'est scotomisé. Hein. Fait avoir. Scotomisé, le verbe scotomisé, mais comptoise. Ça commence à rentrer. Brugeois. Et on salue tous les habitants de Bruges. Un avaliste. Ouais. Bien sûr. Avaliste. Un co-terme. J'ai vraiment du mal avec ces bêtises-là. Intercom. Voilà. Quoi. Ouais, moi, ça rentre pas non plus. Engommé. Mégotage. Scudo plus R égale. Oh, ça doit être pas mal en tout cas. Scoured. Wow. Scoured. Scoured. Superman. Abondant. Abondant. On prépare vagabondant, surabondant. Ouais, ouais. Éligible. Et ah ouais. Inéligible si tu vas par là. Voilà, je vais par là. Et Nantes. Et Nantes. Et Nantes. Et Nantes. Et Nantes, ok. Botsarde. L'anagramme de Brodat. Salivant. Bordat. Salivant, ça dit. Salivant, adjectif. Ouais, waouh. Macro, le retour. Ah ouais, lui, il est en double, voilà. Cool. Holstein. Holstein. C'est une vache. Veulerie. Veulerie. Docilité. Indocilité. DQC. Adjectif. Et... Ouais. Pommelle. Ah ouais. Écrétage. Emperlé. Boulimie. Et bezègue. Et bezègue. Bézégu, on avait dit, non ? Oui, bah oui, bien sûr. Vraiment ? Bon. Ah oui, c'est pas bézégu. Il y a un tréma, là. Oui, c'est bézégu. Hein. Bézégu. Oui. Hein. Ok. Ouais, pour une fois qu'on reprend Edouard sur une prononciation, on va pas se gêner, quoi. Bah, c'est sûr. Parigote et Pantèse, Patrigote, le verbe intransitif dont on a parlé tout à l'heure. C'est la boue en Suisse, si je me rappelle bien. Oui. Patrigo et donc Patrigoté, faire des bêtises dans la boue. Empérien, Permalien, très sympa. Ah oui. Comtois, comtoise, mais scotomisé et scotome. Voilà, bon, très important, évidemment. On va retenir ça. Le verbe bousiner, l'adjectif en poulet. Il n'y a pas de problème. Empérien, relatif au physicien, ampère. Tendance, intendance, surintendance. Et tendanceur. Ouh. Tendanceur. Tendanceur. Oui, il y a les tendanceurs sur YouTube, carrément, non?
Sérieusement. Ah, ben, oui, oui, oui. Hein, c'est peut-être bon, à mon avis, ça s'appelle des influenceurs, mais bon. Ouais, c'est des influenceurs, c'est vrai. Ça doit être vieux. Oh, mais là, c'est sur la mode, donc. C'est pour... Ouais, c'est la mode dans les années 60, quoi. Alors, intendance sur intendance. Ah, peut-être que c'est des spécifiques à la mode encore aujourd'hui, je ne sais pas. Intendance sur intendance. Alors, je vais noter ça quand même, parce que. Tendanceur, tendanceuse, ok. Ok. Alors, avalise, c'est un truc spécial. Égal avaliseur qui donne son aval. Il n'y a pas d'avalisme. Il y a pas d'avalisme. Non. Ouais. Mal avisé, c'est ça qu'il faut jouer. Ah, mais c'est écrit en plus. Ah, oh, bah, ouais, ouais, tu triches. Non, non, mais j'avais pas vu. Ah, t'avais vu au tirage? Okay. Non, quand tu as dit avalisme, ah ouais, j'ai cherché ce qu'on pouvait jouer pour pas retenir avaliser. Enfin, avaliser. Allez, abandon. Ah, mais j'ai pas mis les trucs devant abandon, mais je manque à tous mes devoirs. J'avais mis dû le mettre sur abonder. En fait, c'est le verbe. Ah, mais il y a même l'adjectif. Oui, oui, oui. Surabondant et adjectif. Bon, il n'y a pas vagabondant l'adjectif, hein, mais. Non, du moment qu'il n'y a pas nauséabondant. En fait, ils sont tous les deux. Intransitif, surabondé et vagabondé, donc faut faire attention. Mais, ah oui, surabondé aussi est intransitif. Ouais. Ça me paraît assez clair. Je vais vous montrer comment je corrige. Même si je peux pas vous montrer à chaque fois, mais hop. Voilà. Vous avez rien vu du coup, hop, voilà. Maintenant, vous voyez ici. Ah, le fameux néoniate. Alors, éligible, co-éligible, hein, inéligible et rééligible. Tu nous avais pas tout dit, Edouard. Énante, plus j'ai néognate. Il y a un truc. Ouais. Salivant, salivante, indocilité, DQC, adjectif, écrotage, secrétage et retersage. Alors, tout ça, moi, je le vois. Tout de ce quoi que tu es en train de dire, je le vois pas, là, je l'ai pas à l'écran. Ah bon? Ah bon? Moi aussi. T'as quoi à l'écran? Moi j'ai vagabondant et compagnie. Là. Ah bon? Ah ouais, mais c'est, t'as figé alors? Non? Voilà, ça y est. Je... Ah ok. T'es revenu. Ouais. Bon ben c'était très bien. Il reste plus que 31 mots. Alors, Scourd, laine lavée directement sur le dos du mouton. Ah bah comme ça. C'est plus pratique. Voilà. Engommé, intercom, système de téléphonie à courte distance et intercommunal, intercommunion. Bon. Superman, éligible. Non. Bah, y avait beaucoup de choses à dire, ouais. Aînante. Ombellifère, vénéneuse. Pas sympa, ça. Voyons. À quoi ça ressemble pour ne pas se faire avoir? Parler des aînantes. Ça ressemble à rien, si. Tu peux facilement te faire contaminer, je pense. Waouh. Oh, une belle petite plante. On va l'accueillir. Alors, Botsard, boulimie, bézégu, écritage, pommel, ouais, alors là. J'avais quand même oublié ce mot. Oula, il y a 10 000 définitions, c'est la fête. Ah oui, c'est un gant, oui, c'est ça. Et donc des QC dont les feuilles opposées se croisent à angle droit, la botanique qui est pas mal présente aussi. Voilà. Et donc le fameux néognate, un oiseau dont le sternum est muni d'un bréchet. C'est voilà, pas un EDS8, ça, parce que c'est bizarre, je le connais ce mot. Ah ouais donc, bah ouais. Ah, peut-être que c'est un EDS8. Bah non, c'est pas écrit au EDS. Ah non, c'est pas. Non, ça c'est pas un EDS. Bah, non, je sais pas en fait. Peut-être. On va laisser Edouard donner l'info. Moi, je dirais oui, mais bon. Waouh, diatribe qui se crame. Ah non, c'est le DS6. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je connais alors. Ah, tu as travaillé le DS6. Ouais, j'ai travaillé le DS6. Diatribe qui se crame que en donnant des solutions uniques. C'est quand même spectaculaire et rare. Mais c'est que des verbes, quoi. Oui, après, elles sont pas dingues, mais. Bah, ouais. C'est d'autant plus difficile. On va tous les rater, quoi. Ça dépend pour qui, c'est vrai. Ouais. Allez,
La dernière série complète, elle est là. Et on est toujours en sans faute sur la série D, là. Ouais, mais là... Rinçante, pas du tout. Non, Catering, on connaît déjà. Ouais, on connaît. Cintrage. Cintrage, voilà, c'est ça. Balandre. Musicien. Avatardi. Ouais. C'est un peur. Dégondé. Enfoiré. Non, enfoiré. Bah, par l'anagramme 7 lettres, excusez-moi de connaître les binômes de 7 lettres, quoi. Allez, on prépare le E pour Thanatos, la technique des insectes pour faire croire qu'ils sont morts. Tu veux des points ou quoi? Et oui, je veux des points, car je suis en dèche de points de définition. Et là, je voudrais le mot, là, par contre. Bandière, peut-être? Banderie? Bof. Bandière, ça vous dit? Bandière, ça ouais. Ouais, Bandière, ça me parle aussi. Je le sens moyen, quand même. Hein. Mais, ouais, ça voilà, va. C'est ça. Malabéen. De Malabo, quelque part. Cossarde, ouais. Cornarde. Ouais, ça, on doit connaître. Hein. C'est envoyé. Absolument, les... puisque c'est un ODS-8 qui était avec deux L seulement auparavant. Bastin. Et Bastin. Illuvial. On l'a encore ? Non, c'était Illuvion. Ah oui, Varonnet, Réimputa, Primauté, oh, oh Surfinia, Lévurier, ouais, Vieillot, le fameux, avec Strépin, Joker V formant Versus. Ouais, la violence du coup. 80. Voilà. Drancéen. Ouais, de Drancy. Et Comusée. Oh, des 5. on va s'amuser aussi à ça. Ça ah non. Villosité. Violiste. Ouais, c'est ça. Il y a deux L à Villosité. Ouais. Violiste, c'est le joueur de viol. Oui. Galapia. Galapiate. Galapia, oui. Mêmement. Mêmement. Allez. Ah oui. Moi, je sens bien Bandière. Ouais, moi aussi. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas Bandier ? Oui. Non, il n'y a pas Bandier, non. On peut réfléchir un peu, peut-être ? Oui. Ouais. Alors, il y a une rue Bredaine à Paris, mais je pense que ça n'a rien à voir. Il y a Binard, c'est bon. Il y a Binard. Est-ce que Binard, c'est bon De quoi? Mais il y a deux heures. Oui, je sais. Mais Binard plus E, quoi. Ah ouais, non, mais il n'y a pas Binard. D'ailleurs, il n'y a pas Binard, c'est Nibar. Il n'y a pas Binard? Il n'y a pas un truc? Je crois pas. Bandier, mais non, mais c'est Binard avec un T. Ouais. Bon, bah ok, pour Bandière. Bravo! Il s'agit. Ah, une contrebandière! Ah oui! Pontesse Buandière. Alors attends, c'est quoi bandière? C'est une bannière en fait. Bon. Ah, Buandière en épantais, joli ça. Ouais. Bon, on va retenir. Le fameux Buandière. Thanatos. Balandre, Bélandre, cousin Malandre, Timbreur, Timbreuse, Thanatos, Bandière, contrebandière, Malabéen de Malabo en Guinée équatoriale. Cossard, Cornard, c'est cocu. Niverol avec un ou deux L. Bastin. Il s'agit du madrier. Alluvial. Ah oui, donc il y a alluvion, alluvial. Il n'y a pas de piège de ce côté-là. Mais il y a alluvionné seulement. Oui. Varonné avec un ou deux R. Évidemment, toujours deux N. Levurier, pas de féminin. Oh, c'est pas de chance. Il s'agit d'un fabricant ou commerçant de levure de bière. Et Villosité, il est là. T'étais en avance, David. Vidéo Vieillotte. Ouais. Drancéen de Drancy, en Seine, Saint-Denis. Et Galapia, pas Galapiate du tout. Non, c'est un animal. C'est un vaurien. Ah non. Ok. Non, c'est pas. Reviens, Marie. Sacré animal. Allez, on efface la bande.
Cintrage, décintrage. Il reste un mot, je crois. Ouais, un mot, le dernier. Pour le sans faute. Ce serait une bonne série, hein. On a 4 minutes pour le trouver, je crois qu'on peut le faire. Illuvial, Luvial. Oui, très bonne série. Et on tient facile le 2h30 car il est 2h15 là, la vidéo. On a été assez rapide et efficace. Oui. Le verbe subsidier, oui, c'est les subventions en Belgique alors. Donc Thanatos, la définition. Pulsion de mort dans les théories freudiennes. Et Thanatos, donc, moyen de défense consistant à feindre la mort chez les insectes. Et on a un petit éthanoate qui se laisse respecter. Ah oui, c'est vrai. Donc, Balance, c'est la embarcation à fond plat, ça m'avait manqué. Musicien, il n'y a pas grand-chose à part municipe. Bâtardir, économa, plus H monotache, plus R monotrace. Oh, moi, je dis c'est sympa. Moi, je dis c'est sympa. C'est monotache, peut-être, non? Monotache. Ah oui, exact. Oui. Monotache. Alors, économa plus H monotache plus R monotrace. Et qu'est-ce donc une monotrace? Un train d'atterrissage dont les roues sont situées dans l'axe du fuselage. Ah ouais! Monocratie. Craniotomie? Combinatoire. Commisération. Ah voilà, ça c'est beau ça. C'est mémorisation plus C. Et c'est romanticisme plus O. Martionnisme. Microcinéma. Mais on fera les 9, 10, 11, 12, 13 lettres un jour. Ouais, ouais. Ce sera en 2038, mais ce sera un jour. C'est un grand moment. Alors, voilà. On fera pas en 2 minutes. Là, non, ce sera réglé sur 20 minutes. C'est ça. Les lettres seront énormes. Bon bah voilà, on est bien. Alors donc Bandière, bien joué. Niverol, Niverol, donc petit passereau des montagnes, Niverol. Niverol alpine d'ailleurs. Super. Et pour le surfinia, c'est un pétunia qui fleurit abondamment ou surabondamment. La primauté. Ok, très joli. Ouais, c'est joli pour monter. Et le boulgour. Bon appétit, elfutiste. Il n'y a pas de problème. Et... Ah, c'est pas au D5, autant pour moi. J'ai halluciné. Peut-être au DS4. Du coup. On a eu éco-geste, éco-garde, éco-label ouais. Ces derniers temps. Violiste, joueur de viol, c'est correct. Et donc le fameux Galapia qui est un vaurien. Même moment invariable, 80 invariable. Le dernier. Il s'agit de Doldrums. C'était pas le plus dur de la liste. Surtout que tu sais pas beaucoup d'autres mots. Même si tu le connais pas. Ouais. Allez, la définition de Doldrums pour finir. Une zone de basse pression en météorologie. Et c'est tout ce qu'on a déclaré. À déclarer sur le Doldrums, comme vous le voyez sur l'écran. Ça, j'entends bien... jamais la météo hein, de Nicolas. des Doldrums. On va lui en parler. Et bien, c'est le sans faute. Bravo. Franchement, c'est très beau. Et nous allons avoir notre score final sur le poids 3 qui est excellent. Félicitations. On revient. Alors, les définitions, on peut enlever. Hop. Et voilà, ceci conclut notre périple. Nos périples sur les 5457 mots de 8 lettres uniques, sans lettres chères. Et on a fait 99,5, le même score que dans le poids 2. C'est très bon. Et le même score que dans le poids 4, on est très régulier quand même. Hein. Même score ouais. Que dans le poids 6, poids 6 presque supérieur à 6, presque le même score que le poids 0, lettre à 1 point, on avait été efficace. On a fait un seul 100% néanmoins. Mais, et puis on avait un peu craqué à cause du temps sur une série en poids 1, ça se ressent dans le score, mais c'est très très bien, hein. Vraiment. Donc maintenant resterait à savoir quel score on ferait si on jouait tout seul.
Aïe, ça serait... Ça serait pas la même. Ça serait divisé en 3, je pense. Divisé en... On perd 3%, je pense, un truc comme ça. Hein. Peut-être 2%, je sais pas. Quoi? Mais... 2%? On perd de 3%. Ah, on perd? Oui, d'accord. Oui. Je crois que tu disais on faisait 2-3%. Je dis non, on exagère pas. Non. Faut abuser. Donc, il restera une dernière vidéo de ces 8 lettres. Il s'agit du test final, comme on avait fait pour le poids 7. Et donc, on va prendre un échantillon aléatoire de 10% des mots. Donc, ce sera 500. Dans les 500 et quelques. Alors, faut voir quel sera un multiple de 30. 570, 540 peut-être. 540 pourrait être bien. 540 mots pour le test final. Et alors, je vais vous envoyer, attention, hein, David-Edouard, là, je vais vous envoyer des fiches de révision. Ah, c'est bien, ça. Avec toutes les erreurs qu'on a fait depuis le début. Ouais. Il doit pas y en avoir des milliards, peut-être une cinquantaine, je sais pas. Et les révisions qui doivent être à peu près autant, je dirais, un peu moins peut-être. Et donc, et puis alors, ben, si vous êtes hyper motivé, je vais carrément vous envoyer tout le fichier complet des infos là avec les rallonges et tout. Ah ouais. Si vous voulez tenter d'être le plus efficace possible pour notre enregistrement qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, on a à peu près une semaine pour réviser. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que le topping nous aide énormément. Les sessions de vocabulaire nous aident énormément. Ah bah oui. Les sessions de topping, on le voit très vite. On voit les mots uniques et tout, oui, c'est sûr, ça nous aide. Hein. Ouais. Non, mais on voit dans les résultats, je veux dire qu'on a fait la session. Dans certains résultats. Bien sûr. Pas tous, donc, malheureusement. Parfait, hein. On ne vous vend pas un remède miracle. Mais ça fait progresser quand même. Non, mais voilà. Ça aide, hein, franchement, ça aide. Ouais. Et donc, rendez-vous, merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous pour le test final sur la prochaine vidéo de vocabulaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à faire des retours si vous-même vous utilisez le logiciel Elimo. Merci à tous ceux qui m'ont fait des retours. Ça me permet d'améliorer à la fois le logiciel et le fichier d'information. Super. Un grand merci à tous les deux, Edouard et David. Merci à toi Sylvain et bonne soirée à tous. Et bonne journée, bonne soirée, à bientôt. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu. Salut !